Bonsoir, bienvenue sur Mediapart. C'est une émission un peu exceptionnelle ce soir avec des figures mondiales de la lutte pour le climat. Elles s'appellent Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Louisa Neubauer. Elles habitent en Inde, en Ouganda, en Suède, en Allemagne. Et depuis des années, elles nous alertent sur la nécessité d'aller vite, de changer de cap rapidement pour éviter un réchauffement catastrophique de la planète. Alors, les questions qu'on va se poser ce soir, c'est comment agir de façon décisive pour le climat, comment concilier impératif écologique et social, comment éviter aussi que la transition écologique dans le monde ne creuse encore davantage des inégalités déjà très importantes. Ces militantes, elles vont dialoguer ce soir avec des syndicalistes comme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, avec aussi Solidaires et la FSU. Cette émission, elle est en direct, elle est en partenariat avec ATTAC et 350.org, dont les représentants seront aussi parmi nous. Notre émission exceptionnelle de Mediapart, climat du nord au sud, un monde de bataille. C'est parti. Pour la première heure de cette émission, je serai avec toi, Mickaël Correa, journaliste climat à Mediapart. Salut. Dans un instant, Greta Thunberg nous rejoindra. Vous la connaissez évidemment, elle a lancé les grèves pour le climat. Elle est devenue une figure mondiale de cette lutte pour le climat. Mais d'abord, sur notre plateau, nous avons quatre personnes. Vanessa Nakate, bonjour. Vous êtes une activiste d'Ouganda, activiste très connue en Afrique pour la défense du climat. Avec nous aussi, Sophie Binet. Bonsoir, vous êtes depuis mars la nouvelle secrétaire générale de la CGT, première femme élue à la tête de ce syndicat. Clémence Dubois, vous êtes directrice de campagne de 350. C'est une ONG internationale écologiste fondée en 2007 qui travaille beaucoup sur la question des énergies fossiles et qui est partenaire, je l'ai dit, de cette soirée. Et puis, nous avons Léna Lazare des Soulèvements de la Terre. On va revenir avec vous dans un instant parce que c'est l'actualité. En effet, au départ, on avait fait cette émission parce que demain s'ouvre à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui va aborder l'aide aux pays pauvres sur la dette et contre le réchauffement climatique. Mais bien sûr, il y a cette question d'actualité. L'interdiction ce mercredi des soulèvements de la terre par le gouvernement. Dissolution actée en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une dissolution confirmée ensuite par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret qui propose la dissolution du groupement des soulèvements de la terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. C'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Défendre ses idées, sensibiliser, se mobiliser pour changer la loi, oui, mais dans le respect de l'état de droit. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit. Et c'est bien cela qui est sanctionné. À 17h, des soutiens des soulèvements se sont réunis devant le Conseil d'État à l'appel d'ELV, la France Insoumise, Solidaires, ATTAC, les Amis de la Terre et le syndicat des avocats de France. Parmi eux, il y avait par exemple le militant écologiste Cyril Dion, l'activiste indienne Disha Ravi, qu'on accueillera tout à l'heure. Et puis, vous les voyez, d'autres militants, notamment Greta Thunberg. Pour toutes les personnes présentes, cette dissolution est incompréhensible. Ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre encontre, et que la seule association de malfaiteurs effective, c'est celle entre le gouvernement, l'agro-industrie et le secteur du BTP, pour détruire la terre. À travers la dissolution des soulèvements de la terre, ce gouvernement a fait le choix de l'autoritarisme et du mépris de l'état de droit. Le gouvernement n'a pas de base juridique solide pour dissoudre les soulèvements de la terre. Cette dissolution intervient au mépris de libertés fondamentales dont ce gouvernement n'a finalement que faire. Les criminels, ce n'est pas leur monde à 4 degrés, ce n'est pas la destruction du seul écosystème qui est compatible avec la vie humaine, ce ne sont pas les empoisonneurs, les bétonneurs ou les voleurs d'avenir. Les criminels ou les terroristes pour ce gouvernement, ce sont les militants qui sont les seuls de ce pays à écouter les alertes des scientifiques répétées depuis plusieurs années. Ni les LBD, ni les quads, ni les grenades, ni le 49-3 ou autre outil antidémocratique, ni l'utilisation de lois sécuritaires ou antiterroristes n'arrêteront notre résistance et notre détermination pour lutter pour le vivant et l'espoir d'un autre monde. Nous sommes, nous resterons les soulèvements de la Terre. Que nous sommes les soulèvements de la Terre. Nous sommes et resterons les soulèvements de la Terre. Voilà, nous sommes et resterons les soulèvements de la Terre. Léna Lazare, vous êtes une militante pour le climat, membre des soulèvements de la Terre parmi beaucoup d'autres. En tout cas, participer au soulèvement de la Terre, parce que justement, on n'est pas membre des soulèvements. Ce soir, qu'avez-vous à dire suite à cette dissolution annoncée par le gouvernement ?
Mais cette dissolution, elle est assez glaçante. Je pense que ça a été bien résumé dans les prises de parole. On a un gouvernement qui a été condamné pour une action climatique, qui vote sans arrêt des lois écocidaires, qui selon nous est dans une politique en fait de destruction délibérée du vivant. On préfère parler de s'adapter à un monde à plus 4 degrés plutôt que de respecter l'accord de Paris. Et la réponse face à ça, c'est de criminaliser les mouvements écologistes. Et on voit bien les soulèvements de la terre. En fait, c'est une dynamique d'action dans laquelle se retrouvaient beaucoup de personnes. Moi, de base, je suis membre de Youth for Climate, donc de ce réseau de jeunes en grève pour le climat qui est très bien représenté ce soir. Il y a des membres d'Extinction Rebellion, d'Attaque, de la Confédération Paysanne, de Solidaire. Il y a une grande partie du mouvement pour une justice sociale et écologique qui se retrouve dans les soulèvements de la terre. Et on essaie de nous faire passer pour des éco-terroristes, pour des criminels. Et cette dissolution profondément politique. Ils essaient de la justifier sur le fait qu'on serait violent. On parle de violence, voilà. Le gouvernement justifie la dissolution par la violence. Vous répondez quoi à ça ? Les modes d'action des soulèvements de la terre, c'est les blocages, les occupations et ce qu'on appelle les actions de désarmement, donc c'est-à-dire des actions de démantèlement d'infrastructures polluantes. Donc ils peuvent concerner des biens privés, des entreprises par exemple. On a notamment débâché une méga bassine illégale il y a un an et demi. On a démonter des tuyaux aussi d'une autre méga bassine. On a fait une action assez impactante au port de Gennevilliers contre Lafarge. Et vous dites c'est pas violent, ça, c'est ça que vous dites? La violence, c'est envers les êtres vivants. Et en fait, ce qu'on met en avant comme violent dans la société, c'est pour moi, c'est une question qui est profondément politique. Là, la dissolution, elle a été remise sur la table en partie à cause de la FNSEA. Et on voit bien que... Le syndicat agricole majoritaire. Et le mode d'action de la FNSEA, moi, je l'ai... Enfin, ils vont bien au-dessus de ce que nous, on se permet. Pourtant, le gouvernement ne va pas les condamner. Sophie Binet, cette interdiction, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ce soir? Cette dissolution, pardon, elle a été rendue officielle aujourd'hui. On s'y attendait, à vrai dire, depuis quelques jours. Et dans le contexte, notamment, de la répression du mouvement des retraites. Comment vous, du point de vue de la CGT, comment vous lisez cette dissolution ? C'est très inquiétant, c'est très grave. C'est une nouvelle preuve de la radicalisation du pouvoir. C'est une nouvelle étape qui est franchie dans le piétinement des libertés en France par le gouvernement, le président de la République, avec plusieurs points très inquiétants. D'abord, on confond la désobéissance civile avec la violence physique contre des personnes. Oui, il y a des mouvements qui prônent et qui organisent la désobéissance civile, mais qui pour autant ne sont pas violents contre les personnes. À ce rythme-là, on aurait interdit Gandhi, etc. etc. Ensuite, on utilise la législation antiterroriste pour réprimer le mouvement social et le mouvement environnemental. Puisque là, la dissolution des soulèvements de la terre nous fait suite à une escalade dans la répression contre le mouvement social et environnemental, notamment ce qu'on a vécu pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, où à ce jour, on a plus de 400 militants et militantes CGT qui ont fait l'objet de plaintes déposées en justice. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un militant de la CGT qui a été mis en garde à vue, tout simplement parce qu'il a croisé Éric Zemmour sur un quai de train et qui lui a dit ce qu'il pensait de son positionnement raciste et antisémite. Et c'est lui qui a été mis en garde à vue pour racisme et antisémite, alors que c'est un militant que je connais très bien, qui est très calme, qui est juste très impliqué dans le combat antifasciste, et donc qui a juste dit ce qu'il pensait. Et au lieu de s'attaquer à Éric Zemmour, qui a été condamné à plusieurs reprises pour insulte raciale, les pouvoirs publics mettent un militant de la CGT en garde à vue, tout simplement pour avoir dit ce qu'il pensait à Éric Zemmour. Et donc, vraiment, il faut qu'il sorte immédiatement, parce qu'en plus, il a de graves problèmes de santé. Donc, on a une grave dérive de nos autorités judiciaires. Et pourquoi est-ce que cette dérive, elle a lieu ? C'est là qu'il faut aussi que nous, on prenne acte de notre force. Cette dérive, elle a lieu parce qu'ils n'ont jamais été aussi seuls. Parce que la lucidité, elle ne cesse de progresser. Une lucidité sur les impasses sociales et les impasses environnementales de leur politique. Et la dernière arme qui leur reste, c'est la répression et l'autoritarisme. C'est ce qu'on a vécu notamment avec la réforme des retraites. Donc ça, c'est... Vous dites ce soir, la CGT, elle est derrière les soulèvements de la terre ?
Oh là, CGT, elle a plein de débats avec les soulèvements de la Terre. Il y a plein de choses, de positions des soulèvements de la Terre qu'on ne partage pas. Mais par contre, pour nous, un désaccord et des débats politiques ne se règlent pas par des interdictions administratives et liberticides qui sont scandaleuses. Donc, nous avons des débats, des désaccords et qu'il faut... Enfin, moi, je le dis très tranquillement. Sur les modes de production, sur le modèle, par exemple, agricole, ouais, économique... Oui, plein de choses. Par exemple, sur le Lyon-Turin, on n'est pas forcément d'accord sur cette position. Position-là, voilà, et pour moi ça n'est pas un problème et ça fait partie des débats qu'il faut qu'on creuse pour réussir à dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental qui sont importantes, qu'il ne faut pas nier. Mais en fait, ce qui est scandaleux dans ce que fait le gouvernement, c'est qu'on casse le thermomètre pour ne pas voir que le malade a de la fièvre. Et donc là, comme on refuse le message porté par le messager, que ce soit des messagers en matière environnementale ou en matière sociale, eh bien on met ces messagers en prison, on les réprime, on les empêche de parler pour mieux ignorer notre message qui, aujourd'hui, est d'une urgence cruciale. Mickaël. Pour parler juste un petit peu plus pratique de lutte, Léna Lazare, elle parlait de désarmement. Je veux dire, la désobéissance civile, le démantèlement pour les soulèvements, ça veut dire qu'on s'en prend quand même physiquement à des installations comme des centrales à béton, par exemple. On l'a vu le week-end dernier, des installations maraîchères, de l'agro-business, et donc à l'outil de travail, automatiquement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'un syndicat comme la CGT peut appuyer, peut soutenir ou peut se dire solidaire de ce mode d'action-là qui est beaucoup plus radical, même si aujourd'hui, la définition de la radicalité, c'est compliqué. C'est ça. Le problème, pour nous, c'est pas tant le mode d'action que le fait que ça ne soit pas travaillé avec les salariés concernés. Parce que nous pensons que pour dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental, il faut partir du travail, il faut partir des salariés. Par exemple, sur la question des abattoirs et de la violence contre les animaux, donc L214 s'est fait connaître par ces méthodes assez radicales. Le problème, c'est que c'est pas du tout travailler avec les ouvriers des abattoirs, alors que la souffrance animale, elle est liée à des conditions de travail extrêmement violentes. Enfin, c'est une violence sans nom de demander à la chaîne d'abattre des animaux et de demander à quelqu'un d'abattre 200 vaches dans sa journée en termes de violence psychologique et physique. Et donc, il faut lier la question des conditions de travail scandaleuses qui sont imposées dans ce secteur-là, par exemple sur l'agroalimentaire et les abattoirs, avec le résultat de ce qu'on leur demande de faire sur les animaux. Et c'est pour ça que, sur ces questions-là, avoir des actions de l'extérieur qui stigmatisent l'ensemble, et donc y compris les salariés, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne méthode. Et donc ça, c'est des choses dont il faut qu'on débatte ensemble. Léna Lazare, réponse rapide. Oui, très rapide. Mais je pense qu'il y a beaucoup de soin qui est mis dans les soulèvements de la Terre. Pour ça, on travaille très souvent avec les syndicats, avec notamment des comités locaux de la CGT, même si voilà, au niveau national, on a déjà discuté de mobilisation commune au sein de Plus Jamais Ça auparavant. Mais il y a beaucoup d'actions qui ont été faites aussi justement en ayant discuté avec les syndicats auparavant. Donc j'ai l'impression que nous, quand même, on est dans quelque chose où on accorde du soin à ça dans nos actions. Je dirais que c'est pas forcément dans toutes les actions, parce qu'on est un mouvement national et que ça se fait toujours pas, mais en tout cas, c'est un souhait qui est prononcé chez nous. Première contradiction et premier débat, là, justement, c'est intéressant. Peut-être, Clémence Dubois, vous, votre organisation, elle est internationale. Quel regard vous portez sur la dissolution en France d'une large constellation comme les soulèvements de la Terre qui agrège à la fois des citoyens mais aussi des différentes organisations? Est-ce que vous vous dites là en France, comme le dit Sophie Binet, on franchit un cap, y compris par rapport à d'autres démocraties, d'autres pays en Europe, dans le monde? En fait, je pense que ce qui est vrai partout, c'est que les crises s'intensifient, que ce soit des crises sanitaires qui mettent en danger notre santé, les événements climatiques extrêmes comme les canicules ou l'incapacité de pouvoir vivre de son travail. Et à mesure qu'on est frappé le plus durement par ces crises, eh bien, c'est en fait c'est l'intensité avec laquelle on va s'engager en fait pour faire résistance qui est en train d'être changée. On l'a vu que ce soit avec les gilets jaunes en France, les soulèvements de la Terre, mais encore les grèves mondiales pour le climat. Ce qui est vrai aussi, c'est que la seule réponse face à la colère et à l'indignation de ne pas pouvoir avoir des conditions de vie possibles, en fait, il y a une tendance qui s'accentue partout sur et donc l'autoritarisme qui gagne du terrain. Là, je pense particulièrement par exemple à ma collègue Hong Thi Minh qui est actuellement en prison au Vietnam
pour avoir tout simplement tenté d'alerter sur la pollution de l'air. Et donc, pourtant, c'est tous les gens qui s'organisent à travers le monde qui ont porté en fait le leadership sur la question climatique. On parle souvent de nos leaders, les dirigeants, mais en fait, ceux qui ont été, qui ont permis les avancées qu'on a aujourd'hui, c'est toutes celles et ceux qui luttent sur cette question. Et donc, c'est impératif de les défendre, défendre ceux qui défendent. Et là, évidemment, il y aura des questions connexes à Vanessa Nakate qui lutte contre le pipeline ICOP. Et surtout, ce qui intensifie la colère, c'est aussi le deux poids, deux mesures. Parce que aujourd'hui, les responsables, par exemple, de la crise climatique, ils sont très bien identifiés. Donc, on a parlé de Lafarge dans le cadre des soulèvements de la Terre, mais il y a aussi évidemment l'industrie fossile, que ce soit Total, Shell, Exxon. Et que fait les gouvernements? Que font les gouvernements avec eux? Ils vont main dans la main encore. D'un côté, on ne sait pas ce que c'est les super profits. De l'autre, par contre, il y a des éco-terroristes. Donc voilà, et ça, c'est insupportable. Vanessa Nakate, vous militez en Afrique, vous militez en Ouganda. Vous avez 26 ans, si je ne me trompe pas. Vous êtes une gréviste du climat d'Ouganda. Vous avez notamment fondé un mouvement qui s'appelle Rise Up Movement. C'est une plateforme d'activistes climat africains. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision d'interdiction de ce grand mouvement là qui, depuis deux ans, qu'on voit beaucoup en France, de mouvement de lutte pour le climat, cette décision là en France pendant que vous êtes en France? Thank you so much. In addition to what everyone else has said, we cannot continue to live in denial. We can't deny the existence of the climate crisis. We can't deny the existence of environmental destruction. We can't deny the, you know, on ne peut pas nier la destruction du vivant, et on ne peut pas nier les choses, particulièrement pour les pays qui sont à l'avant de cette crise climatique. Les gouvernements qui mènent ces interdictions montrent qu'on va dans le mauvais sens. On accélère, mais dans le mauvais sens. Ce dont nous avons besoin, c'est de moins en moins d'espace pour le secteur des énergies fossiles. Il nous faut de moins en moins de place pour des choses comme ça, mais pas pour les organismes qui défendent les droits humains ou qui défendent l'environnement. Là, il faut donner plus de place, plus de parole à des associations comme celle-là. Cette interdiction dont vous parlez ici en France est délétère. Elle nuit à bien des égards. C'est un manque de respect envers les gens qui souffrent de l'impact de l'industrie de l'hémisphère nord. L'Afrique, c'est 15% de la population mondiale, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. D'ores et déjà, il y a des effets massifs et très concrets du réchauffement climatique en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, en Ouganda, quels sont les effets très concrets depuis plusieurs années de ce réchauffement climatique qui justifie l'urgence dont vous parlez ? Eh bien, l'Ouganda est un des pays dont le climat change le plus rapidement au monde. C'est un des pays qui est le plus vulnérable à la crise climatique. Et il y a des changements qui entraînent des crues, des glissements de terrain, des sécheresses. L'Ouganda, c'est un pays agricole, évidemment. Autrement dit, s'il n'y a pas suffisamment de pluie, eh bien, des centaines de milliers de personnes ne pourront pas vivre de leur récolte. Il y aura une pénurie alimentaire, particulièrement dans les régions pauvres. Et pour de nombreux agriculteurs, il est très difficile de prévoir le moment opportun pour planter et de prévoir le bon moment pour faire les récoltes, parce que le changement climatique est imprévisible. Donc, les grands impacts, c'est le changement des systèmes climatiques qui ont une incidence délétère sur la façon dont l'agriculture doit se faire, sans parler des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue, ainsi de suite. Dans le Doudal, Bundubujo, on assiste à ça dans plein d'autres pays. Et ces impacts ont entraîné non seulement la destruction de la vie de milliers de gens, mais il y a énormément de morts aussi. Vous dites cette phrase très intéressante, l'Afrique est en première ligne de la crise climatique, mais elle n'est pas en première page des journaux du monde entier.
lutter. Justement, commencer à en parler. Vous luttez contre le projet IACOP en Ouganda, qui est un énorme pipeline hein, de plus de 1500 km de long, qui va être chauffé à plus de 50 degrés, qui est porté par Total Energy, une multinationale française. Donc, Total qui veut le construire dit ce projet-là va aider à développer l'Ouganda. J'aimerais que vous me disiez pourquoi vous vous opposez justement à ce projet-là de Total Energy dans votre pays, en Ouganda, justement. Well, I'll start by sharing that when I was in primary school. Eh bien, d'abord, je souhaiterais vous dire que lorsque j'étais à l'école primaire et que j'ai découvert que nous avions du pétrole, on nous l'a appris à l'école et on nous a appris que cela pouvait apporter de la richesse au pays. Donc, depuis notre plus jeune âge, nous l'avons su et nous savions que derrière cela, il y avait des objectifs à la fois d'emploi et de développement économique. Aujourd'hui, on est en train de voir l'impact très concret que peut avoir l'extraction des énergies fossiles sur les communautés locales. Et on réalise aujourd'hui que l'or noir n'est pas de l'or. En tout cas, ce n'est pas de l'or pour nous. C'est un produit qui a un impact délétère sur les communautés. Donc, on nous a promis qu'on nous allait nous sortir de la pauvreté, mais c'est un mensonge. Regardez le Nigeria, par exemple, et regardez l'impact qu'a pu avoir l'extraction dans ce pays-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de la misère, c'est de la pauvreté. Qui profite de ces richesses? Ceux qui sont déjà très riches. Et qui utilise l'énergie qui est tirée de ces investissements, que ce soit du charbon, du gaz ou du pétrole? Ce sont les Européens. On en parle énormément. On parle toujours de continuer à satisfaire le besoin d'énergie de l'Europe et de l'Occident en général. Et je crois que c'est un immense défi que nous avons devant nous aujourd'hui. Ces entreprises, elles ont promis de nous sortir de la pauvreté depuis des décennies. Or, ils ne l'ont jamais fait. En Afrique subsaharienne, près de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, par exemple. Donc, concrètement, où est cette énergie? Où est cette richesse? Ce dont les gens n'ont pas besoin d'énergie fossile, les gens ont besoin d'énergie tout court. Nous devons donc trouver des solutions équitables. Nous devons sortir des énergies fossiles et de manière équitable et rentrer dans l'ère des énergies propres. Quand vous écoutez dans les Sénacapés, cette discussion, elle n'est pas tous les jours, ce n'est pas votre quotidien tous les jours avec des activistes d'Ouganda. Comment vous réagissez quand elle nous dit on n'a plus besoin d'énergie fossile et du coup on a besoin d'énergie, donc du coup de parler de l'énergie. Est-ce que la réponse du coup du côté de la CGT c'est de dire bah ça tombe bien, en France on a le nucléaire, du coup on va pouvoir s'en sortir comme ça? Et plus généralement, comment vous recevez le discours de Vanessa Nakate, puisque on a bien vu que ces dernières semaines il y a eu des annonces, je crois que Shell a prévu qu'en gros la production de pétrole ça allait continuer jusqu'en 2030. Total Energy nous dit on va encore continuer à investir 70% des investissements dans le pétrole et le gaz d'ici 2030. Bref, ça continue. Et vous-même, vous avez des salariés évidemment dans ces secteurs-là. Donc à la fois sur la question de l'énergie, c'est-à-dire à la fois sur la particularité en France du secteur nucléaire, et on sait qu'il y a beaucoup de gens à la CGT qui défendent aussi le nucléaire, parce que simplement parce que c'est très présent dans notre économie en France. Et sur cette question des industries fossiles, comme par exemple Total. Comment vous réagissez au discours de Vanessa? Donc il y a plein de questions différentes. Ouais. La première, c'est que pour moi, l'exemple donné par Vanessa, il illustre, il explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'affrontement est si violent. Pourquoi est-ce que l'affrontement est si violent et qu'on est autant réprimé? Parce que en face de nous, on a des gens qui s'accrochent à leurs intérêts bassement matériels et qui ne veulent pas perdre et arrêter d'être ultra riches et qui veulent continuer à faire des profits sur notre dos. Et donc l'exemple de Total illustre parfaitement ça, puisque Total, en fait, le mérite de Total, c'est que elle réunit et la violence sociale et la violence environnementale. C'est l'entreprise la plus polluante en France, qui émet le plus de gaz à effet de serre. C'est la 14e entreprise au niveau mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Elle fait des super profits, elle distribue des super dividendes à ses actionnaires et elle distribue un super salaire à son patron. Par contre,
pour les salariés de Total, la situation n'est pas du tout comme ça, puisque Total, malgré ses super profits, continue à supprimer des emplois. En 2021, c'est 4000 emplois en tout qui ont été supprimés dans le monde, c'est 700 en France. Et puis, d'un point de vue salarial, on se souvient que à l'automne, les premiers à faire grève avant la mobilisation contre les retraites, c'était les raffineurs, les salariés des raffineries à Total en France, pour dénoncer le fait que leur salaire ne suivait pas l'augmentation des prix, alors que le salaire du PDG, il explose et qu'il le multiplie régulièrement par deux. Donc on voit bien que les profits que Total fait sur le dos des pays les plus pauvres, ça ne bénéficie pas aux salariés. Donc de ce point de vue-là, la contradiction, elle est facile à dépasser dans une entreprise comme Total. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que ce que dit Vanessa, c'est très important sur justement... on ne peut pas poser la question environnementale si on ne la pose pas en lien avec la question sociale et avec ce qu'on appelle la justice environnementale. On raconte bien tous les impacts. Voilà, puisque les pays du Sud sont ceux qui sont les plus impactés, c'est aussi ceux qui sont les moins émetteurs et les moins responsables, et d'ailleurs pas du tout responsables d'ailleurs du changement climatique. Et en plus de ce constat-là, ce que je veux rajouter, c'est qu'ils sont tenus à la gorge par les pays les plus riches, puisque à travers la dette des pays pauvres qu'on a largement contribué à créer, c'est une dette relativement factice, ils sont empêchés d'investir pour faire face au changement climatique. Les 62 pays les plus pauvres, dans les 62 pays les plus pauvres, la charge de la dette, c'est-à-dire juste les intérêts qui sont payés aux créanciers, sont supérieurs aux investissements dans le secteur de la santé. Donc on voit bien qu'on a des pays qui sont dans l'incapacité totale de répondre au changement climatique à cause de la dette qui est possédée par les pays riches. Et donc la première des choses, ce serait déjà d'annuler cette dette. Et sur la situation de la dette, moi je trouve que, enfin je comprends pas qu'on en parle plus de cette question de la dette. Il y a 20 ans, je trouve qu'on en parlait plus qu'aujourd'hui, alors que la question de la dette, elle est encore plus grave aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, puisque en 10 ans, et c'est le FMI qui le dit, le nombre de pays qui sont en situation à risque par rapport à leur dette a doublé. Donc là, on a des pays en développement qui sont complètement asphyxiés par leur dette. Et le dernier point de dépendance, c'est que ces pays sont totalement dépendants et des grandes entreprises occidentales et des pays occidentaux pour le changement climatique. Et donc, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, en France et en Europe, il y a un point important sur la question environnementale, c'est la question de la protection aux frontières et le fait d'avoir des normes sociales et environnementales pour empêcher le dumping social et environnemental et empêcher que on ait des délocalisations, ce qui se passe beaucoup avec les grandes entreprises qui délocalisent leurs activités dans les pays du Sud pour pas payer d'impôts. D'ailleurs, j'ai oublié dans la liste de griefs contre Total, ils payent aucun impôt en France, j'ai oublié de le rappeler. Donc pour ne pas payer d'impôts, moins payer leurs salariés et puis ne pas avoir de normes environnementales. Donc pour nous, une des solutions, c'est de mettre des normes sociales environnementales aux frontières européennes. Sauf que si on se limite à faire ça, c'est encore une peine de plus pour les pays du Sud qui seront énormément défavorisés par ça. Et donc la question centrale là dans l'enjeu environnemental et le changement climatique, c'est l'aide compensatoire des pays du Nord vers les pays du Sud. Et ce qui est hyper choquant, c'est que la COP à Paris et puis les COP suivantes ont accouché, mais dans la douleur, d'un tout petit fonds, mais c'est microscopique ce qui est prévu par ce fonds. On va en parler justement. Et les engagements ne sont même pas au rendez-vous. Et ça achoppe sur ce point, alors que on n'est même pas à 10% du montant financier qu'il faudrait consentir. Donc ce que je veux dire par là avec cet exemple Nord-Sud, mais on peut le mettre en place au niveau national, c'est qu'on ne peut pas traiter la question environnementale si on ne le traite pas en même temps de la justice sociale et la justice climatique, parce que sinon on voit qu'on achoppe directement avec des mises en opposition Nord-Sud. Clémence Dubois de 350 Power, ça m'intéresse parce que du coup vous êtes beaucoup de gens sont à Paris ici pour le sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui va commencer demain, qu'a souhaité Emmanuel Macron. Donc on a une dissolution des soulèvements de la Terre aujourd'hui et en même temps demain l'ouverture d'un sommet qui, sur le papier, nous parle aussi beaucoup d'environnement et de relations Nord-Sud sur l'environnement. L'objectif de ce sommet diplomatique, c'est de bâtir un nouveau contrat justement entre le Nord et le Sud en prenant en compte le climat et la dette climatique, enfin la dette en général et puis la dette climatique en particulier, c'est-à-dire la question de la responsabilité des pays riches dans la crise climatique. On en est où de ça aujourd'hui? Sophie Binet nous disait
quelques promesses ont été faites, qui de toute façon ne sont pas tenues, et par rapport à l'ampleur de ce qui est nécessaire et du défi, on n'est pas du tout au rendez-vous. Donnez-nous un peu une idée de, est-ce que des choses ont été faites sur ces aspects-là? Bon, déjà, c'est ce sommet qui est d'une certaine manière une initiative d'Emmanuel Macron, mais n'est pas son idée, puisque ça a été le Premier ministre des Barbades qui a dit que la finance était le nerf de la guerre et qu'il fallait sérieusement s'attaquer à la question. Donc, évidemment, personne n'est dupe sur ce qui peut sortir de ce sommet. Et pourtant, en effet, la finance est le nerf de la guerre, parce que ça, les investissements qui sont faits aujourd'hui modèlent notre vie actuelle, notre futur. Donc on est en fait en ce moment enfermé dans les désinvestissements du passé, on est enfermé dans un système où il y a aucun contrôle démocratique sur les flux financiers. Et à ce titre, finalement, une des choses les plus importantes que les gouvernements peuvent faire, c'est déjà arrêter de subventionner l'industrie fossile. C'est vraiment pas une nouveauté, c'est la base de toute réclamation, puisqu'il faut laisser les énergies fossiles dans le sol, donc ça a du sens de financer plutôt les solutions. Et d'ailleurs, ça rapporterait beaucoup d'argent. Si on arrêtait les subventions aux combustibles fossiles, ça rapporterait au moins 600 milliards de dollars par an. Une augmentation de 10% sur la production du pétrole et du gaz, ça générerait environ 400 milliards de dollars supplémentaires par an. Donc, c'est absolument phénoménal. Ensuite, en termes de ce qui est nécessaire, je pense que c'est inestimable, c'est inchiffrable. Oxfam dit 4 000 milliards de dollars par an devraient être mobilisés pour lutter contre la pauvreté et les inégalités et faire face aux changements climatique dans les pays en développement. Effectivement, on peut toujours attacher un chiffre et on voit en fait ce qui est intéressant dans ce type de chiffre, c'est à la fois gigantesque, mais c'est possible. Cet argent, on l'a. Et on l'a vu, par exemple, quand il y a eu la crise effectivement bancaire, qu'on a renfloué les banques, là, tout soudainement, on s'est mis à trouver tout l'argent, pour le seul profit des banques. Quand il y a eu la crise Covid, tout s'est arrêté et il y a eu une véritable révolution d'organisation politique, économique. Donc, on voit que l'argent est là. C'est juste une question de volonté. Mais aujourd'hui, les gouvernements continuent d'aller main dans la main avec l'industrie fossile, qui n'est pourtant ni l'allié des travailleurs, puisqu'ils préfèrent redistribuer leurs bénéfices indécents aux actionnaires plutôt qu'aux travailleurs, ni l'allié des populations qui ont besoin de développer l'accès à l'énergie, à l'électricité. Taxer les super riches, c'est une solution aussi qui est sur la table. Là, on parle justement d'à peu près 4 000, 5 000 milliards de dollars. Je rappelle effectivement que pour le Covid, on a réussi à mobiliser 28 000 milliards de dollars. Taxer les super riches, ça peut être une solution aussi. Enfin, en tout cas, 350, vous militez aussi pour cette Bien sûr, c'est un pendant naturel. Pendant 15 ans, on a milité à travers notre mouvement mondial pour que l'argent cesse d'aller vers les énergies fossiles. Mais en fait, l'étape du dessus, c'est de leur demander de payer les dommages qu'ils ont causés. Parce que Vanessa Nakate... Parce qu'il existe une dette écologique, c'est ça que vous... C'est, ça que... c'est pire que ça, en fait. Ouais. C'est pire que ça, c'est-à-dire que Vanessa Nakate disait « Total Energy ment ». Il nous ment, mais en fait, ça fait 50 ans qu'ils mentent. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'ils doivent payer cette crise. Et c'est ce qui fait des criminels. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire sans rougir, que les gens qui meurent dans des catastrophes climatiques, dans des événements climatiques extrêmes, ils ont été assassinés dans des salles de réunion où ces cadres exécutifs ont choisi de privilégier leur propre petit profit plutôt que l'intérêt commun. Et ça, notre mouvement à travers la planète fera tout ce qui est en notre possible pour les tenir responsables à travers tous les biais qui nous sont accessibles, que ce soit prendre leur argent, mais on ne veut pas seulement prendre leur argent, on veut aussi les mettre hors d'état de nuire. Donc d'une certaine manière, il y a aussi un désarmement à faire de l'industrie fossile. Vanessa Nakate, demain, je crois que vous allez intervenir à ce sommet. Quel est le message donc, sur la scène? Quel est le message que vous allez porter? Qu'est-ce que vous allez dire au président de la République française et aux autres présidents et chefs d'État qui seront là demain? Well,
Vous savez, des sommets comme ça, j'en ai fait d'autres. Et ce que l'on voit dans ce type de sommet, c'est une décorrélation, corrélation totale entre le terrain et ce qui se dit dans ces sommets. Donc, j'ai espoir demain de pouvoir m'en servir pour expliquer ce qui se passe sur le terrain, pour éviter cette déconnexion, expliquer comment les gens souffrent, comment ces gens qui sont en première ligne sont impactés par le changement climatique. Le changement climatique, ce n'est pas juste la météo, ce n'est pas juste des chiffres et des statistiques. Vous savez, ce n'est pas les statistiques qui font du mal. C'est le fait que les gens meurent. Ce ne sont pas les chiffres qui montrent que les gens perdent leur maison ou que des fermes entières sont détruites par les inondations. Ce qui est important, c'est que des gens meurent. Et c'est ce message-là que je vais essayer de faire passer demain. Expliquer comment les gens qui sont en première ligne sont impactés. Et je vais aussi demander à expliquer ce dont nous avons besoin aujourd'hui. On ne peut pas simplement parler de finances si on ne parle pas du problème des énergies fossiles. Nous devons mettre fin de manière équitable aux énergies fossiles et intégrer de manière équitable les nouvelles énergies. Donc il faut savoir où l'argent peut être trouvé et ensuite où nous allons pouvoir l'investir. Il y a eu la COP27, mais aujourd'hui, rien n'a évolué. On a besoin d'argent. Il y a eu des mesures d'atténuation, d'adaptation, des financements. Mais aujourd'hui, des pays dans le Grand Sud sont obligés d'extraire des énergies fossiles parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc, j'ai l'espoir que lors de ce sommet demain, le message puisse être porté sur les gens qui sont impactés, ceux qui sont en première ligne. Oui, en fait, c'est à ce sommet, ce qui est mis sur la table, c'est la nécessité aussi de revisiter tout le système financier mondial qui, en fait, est aussi là pour protéger les intérêts des pays riches. Et c'est vrai que la question de la dette, elle est absolument cruciale parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays qui sont les plus vulnérables aux événements climatiques extrêmes sont aussi ceux qui ont des dettes contractées auprès des pays riches et dont ils paient les intérêts de plus en plus élevés chaque année, au lieu de les réinvestir dans les énergies renouvelables, par exemple. Et aujourd'hui, seulement 2% des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables au cours des deux dernières années, par exemple, ont été réalisés en Afrique. Donc c'est pour dire à quel point il y a une modification extrême dont on a besoin, parce que il faut un déploiement annuel des énergies renouvelables qui soit 6 fois supérieur d'ici 2030 à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est énorme et c'est ça qui va nous donner une chance à nous tous d'avoir un avenir possible. Peut-être Sophie Binet, cette question du financement écologique dans les pays du Sud, de cette solidarité Nord-Sud, on peut même dire d'un nouvel internationalisme en quelque sorte. La CGT, elle a quoi à dire de ça ? Bah pour la CGT, c'est une évidence. La CGT, au cœur de ses orientations, de ses statuts même, il y a la question internationaliste. Et donc, on est impliqué, on a une confédération syndicale internationale, la CSI, qui est très impliquée dans le suivi de ce type d'événements. Et on a construit depuis 2-3 ans des forums, justement, pour croiser la question environnementale et la question sociale au plan mondial et dénoncer cette grande hypocrisie. Et donc, le problème, en fait, c'est que on avait des mécanismes jusque-là. La COP, c'était quand même jusqu'à la COP de Paris, ouais. C'était un mécanisme qui donnait de l'espoir quand même, je trouve, parce que il y avait un mécanisme qui reposait sur le multilatéralisme, qui permettait d'avoir un échange Nord-Sud, qui nous permettait, nous ONG, organisations syndicales, d'être aussi d'une façon ou d'une autre autour de la table. Et le problème, c'est que là, on arrive au bout d'un cycle, parce que même ces mécanismes-là, ils nous les ont volés. Le fait que la prochaine COP soit prévue à Dubaï, ouais, avec comme présidence un des dirigeants de l'une des plus grandes compagnies pétrolières, ben ça montre l'hypocrisie totale. Et donc nous, d'un point de vue capture de ces négociations internationales par l'industrie fossile, quoi. C'est ça, exactement. Nous, le décalque d'un point de vue social, c'est on a une institution qui est très importante, c'est l'Organisation internationale du travail, qui est l'agence de l'ONU qui est dévolue au travail. Et la dernière conférence qui s'est tenue à Genève il y a 2 semaines, elle était présidée par le Qatar, alors que le Qatar s'illustre justement par son non-respect des droits sociaux. Donc le problème,
problème, c'est que là, les mécanismes qu'on avait réussi à construire pour traiter la question sociale et la question environnementale au plan mondial, non seulement ils sont trop faibles, parce que, alors que sur les questions de commerce, on a été capable très vite de mettre en place l'OMC avec des règles très contraignantes sur le libre-échange, etc., qui d'ailleurs contraignent et empêchent les normes sociales et les normes environnementales de s'appliquer. Sur la question des normes sociales ou sur la question des normes environnementales, on a des mécanismes non contraignants. Donc, une de nos revendications, c'est de dire il faut que les normes de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail, elles soient plus importantes, elles priment sur le commerce en matière douanière. Et pareil sur la question environnementale, on pense qu'il faudrait créer une organisation mondiale environnementale à l'image de l'Organisation Mondiale du Commerce, avec des mécanismes aussi contraignants. Et Nalazar, est-ce que c'est notamment, et ça m'intéresse un peu d'avoir votre regard à toutes les trois, est-ce que c'est l'échec, ou en tout cas la façon dont ces négociations, ces discussions internationales patinent? Sophie Binet nous dit à un moment, en effet, l'accord de Paris, on se fixe un objectif, 1,5 degré, on se dit on va peut-être y arriver, et puis on voit bien que depuis ça patine. Vanessa nous dit ces discussions se ressemblent les unes les autres. Est-ce que c'est ça qui notamment fait que vous et d'autres avez dit, vous aussi vous avez marché pour le climat, vous aussi vous avez été dans ces institutions, que vous vous dites maintenant je désobéis, maintenant je veux faire des actions plus concrètes, mais aussi peut-être puis voilà qui est un peu différente? Je pense que la voie institutionnelle, en effet, elle est totalement bouchée. Enfin, on ne peut pas du tout compter que sur cette voie-là. C'est important qu'il y ait des parlementaires d'opposition. C'est important qu'il y ait des ONG et des syndicats pour aussi faire pression au sein des institutions. Mais je pense que si on arrive à obtenir de grandes victoires, ce sera grâce au mouvement qui mettent une pression tellement haute qu'on va vraiment contraindre les pouvoirs économiques et politiques à agir. Et je pense que c'est quelque chose qui est maintenant largement partagé dans le mouvement écolo. C'est vrai que je pense qu'il y a eu une grande désillusion après la période des marches pour le climat, même les actions en justice lorsque l'État est condamné. Enfin, on n'arrive pas à mettre en place des mesures contraignantes, ou même l'État parfois préfère payer de lourdes amendes plutôt que d'appliquer certaines réglementations. Donc moi j'ai l'impression, quand on voit l'histoire des mouvements sociaux, que de toute façon toutes les grandes victoires qu'il y a eu, que ce soit le droit de vote des femmes, les droits civiques aux États-Unis, ou même la sécurité sociale ou les congés payés en France, ça a été parce qu'il y a eu des énormes mobilisations, et aussi que justement peut-être pour rejoindre les modes d'action des syndicats, que voilà, on a réussi à mettre la machine économique à l'arrêt, donc en s'attaquant aux moyens de production. Et mine de rien, pour moi, c'est ce qu'on retrouve dans les soulèvements de la terre. On aurait pu faire une filiation historique en parlant davantage de sabotage, mais on trouvait ça intéressant un peu de retourner justement qui pose un geste offensif en parlant de désarmement, mais on en vient à ces actions impactantes parce qu'on sait très bien qu'il va falloir faire mal financièrement à ces entreprises pour réussir à faire changer les choses. Peut-être Clémence Dubois, justement, vous faites partie d'une grande ONG écologiste qui va au COP. Comme disait très bien Sophie Binet, elles sont aujourd'hui de plus en plus infiltrées par l'industrie pétrolière. Il y avait 600 lobbyistes quand même à la dernière COP27. Est-ce que c'est encore un espace qu'il faut investir? Est-ce que c'est pas tout simplement un espace qu'il faut déserter? Et justement, comme le dit un peu Léna Lazare, plutôt s'investir dans les luttes locales pour créer un vrai rapport de force. Alors, il faut savoir que les endroits où les intérêts de la COP, enfin l'intérêt de la COP est le plus débattu, c'est dans les pays dits du Nord. Parce qu'on a l'impression qu'on a le luxe de pouvoir déserter cet espace qui est quand même le seul cadre multilatéral, qui certes n'a pas donné un accord contraignant, mais c'est quand même l'espace qui a le plus de poids. C'est là où on peut à la fois parler de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais à la fois de justice climatique en termes d'enjeux de transfert d'argent, etc. Donc en fait, vous dites que ces espaces ils sont importants, et particulièrement pour les pays du Sud. Alors, pour donner un exemple, par exemple, la COP21, on avait fait une grande action de désobéissance à l'issue de cette COP, avec marqué dans une grande banderole de 100 mètres de long, maintenant c'est à nous de garder les énergies fossiles dans le sol, dans le sens où il ne faut pas se bercer d'illusions. Effectivement, les décisions qui sont prises et qui sont même inscrites dans la Constitution, enfin il y a le respect des droits de l'homme qui est inscrit dans la Constitution, heureusement qu'il y a quand même partout sur le territoire des gens qui veillent à ce qu'on limite
on limite les dégâts. Donc, c'est important de construire un contre-pouvoir, mais moi, je voudrais quand même préciser quelque chose, parce que ces dernières années, on a entendu beaucoup de critiques sur les marches, les grèves pour le climat, et en fait, il faut quand même voir que c'est un point d'entrée pour beaucoup de personnes, parce que c'est comme ça qu'on rejoint des mouvements, c'est comme ça qu'on se fait des amis. Et d'ailleurs, les espaces de désobéissance civile, il faut pas aussi être aveugle sur le fait que ça ne peut pas intégrer tout le monde. Tout le monde ne peut pas se sentir à l'aise à être au contact de la police, à risquer des gardes à vue, etc. Mais l'autre chose, c'est faut-il mettre en danger les intérêts économiques, on va dire, pour changer les choses. Moi, je voudrais revenir sur le mouvement de désinvestissement qui a mobilisé des centaines et des centaines de groupes à travers le monde. Et en fait, tout cela, au début, on a dit, mais à quoi ça sert? Parce que même si certaines institutions désinvestissent, finalement, l'industrie continue à attirer des flux financiers pour faire de nouveaux projets. Mais en réalité, ça a complètement changé la conversation et la manière dont on traite la question énergétique aujourd'hui. On sait qu'il faut garder les énergies fossiles. Mettre la pression sur, par exemple, des universités, des institutions pour qu'elles sortent de l'utilisation du fossile ou même des entreprises. Voilà. Quelle sorte du financement. Mais en tout cas, ça, c'était une étape du mouvement pour le climat qui a, de manière importante, changé la conversation. Et donc, je pense qu'on peut faire pression, on peut faire des campagnes, influencer où qu'on soit les décideurs et les institutions qui sont autour de nous, et surtout sans jamais perdre de vue l'espace international, parce qu'il y a un risque aussi d'être trop sur ce qui se passe au niveau local. Mais en France, il ne faut pas oublier que notre responsabilité, elle est bien plus grande que ce qui se passe juste autour de nous. Par exemple, les grandes banques françaises ont un impact climatique qui est le plus important par rapport à tout. Donc, en fait, il faut juste penser à la complémentarité. Comme je disais, BNP Paribas pour pas les citer. Mais voilà. Moi, ce que je portais, c'est la complémentarité des tactiques. C'est juste de dire que, justement, ces modes d'action plus impactants matériellement, c'est nécessaire d'y mettre des forces. Et je trouve ça intéressant ce qui s'est passé au sein des soulèvements de la Terre, justement, parce qu'on a fait des manifestations avec des milliers de personnes où, d'un côté, il y a des gens qui désobéissent, d'autres qui sont juste en soutien, et il y a même plein de rôles qui sont hyper importants en base arrière. Donc on a essayé de faire en sorte aussi d'être le plus inclusif possible et que ce soit pas que des actions de coups de poing où les gens se sentent pas d'y aller aussi, quoi. Vanessa Nakate, quand vous entendez cette discussion sur la désobéissance civile, j'imagine que militer en Ouganda contre ICOP, ça peut coûter cher. Eh bien, à vrai dire, il y a des militants qui se sont fait arrêter en pleine lutte contre cet oléoduc EACOP. Et nous avons assisté à ça dès le début des grèves. Très difficile d'organiser des manifestations et des grèves telles que celles qui ont eu lieu. Donc, nous avons essayé de trouver des moyens de susciter une prise de conscience sans des manifestations massives dans les rues. C'est pas si facile. Donc, on s'est rendu dans les écoles, on s'est rendu dans les quartiers et ainsi de suite. Et ce qu'il y a de triste, c'est que il y a des gens qui se tournaient vers nous pour nous demander pourquoi nous gravitons des grèves du climat, alors qu'on partageait les choses dans les écoles ou de manière trop confidentielle aux yeux de certains. Donc, c'était une... Il fallait comprendre que la situation dans certains pays est telle qu'on ne peut pas permettre certaines grèves. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut une réforme du militantisme pour susciter une prise de conscience et pour exercer autant de pression que possible. Sur cette question, enfin, on a l'impression qu'il y a une forme de parallèle. Léna Nazar nous dit les marches climat, longtemps, ça a contribué à nous faire parler de l'urgence climatique, et puis maintenant on est face à un mur. Finalement, il y a eu un peu cette discussion ces derniers mois autour de la question des retraites, c'est-à-dire on met beaucoup de gens dans la rue, pourtant la réforme passe. Alors on ne va pas forcément toujours tout comparer, on parle d'une
crise climatique, on parle d'une politique donnée dans un État, mais finalement, cette question stratégique, elle traverse aussi la CGT. Et donc, du coup, pour vous, ce débat entre désobéissance civile, qui est peut-être pas... Voilà, la CGT négocie, la CGT va en grève, fait aussi de la désobéissance civile. Donc, du coup, ce débat sur la tactique et la stratégie, comment vous le lisez, vous ? Non, mais nous, la complémentarité des tactiques, ça nous va bien. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas leur laisser nos institutions, celles qu'on s'est battues pour gagner. C'est-à-dire l'Organisation internationale du travail, elle a été créée en 1919 sur les décombres de la Première Guerre mondiale, sur le principe pas de paix sans justice sociale. Et donc, c'est sur le dos de millions de morts qu'on a pu arracher un ordre public mondial social qui n'a jamais été vraiment construit jusqu'au bout, puisque il y a 190 conventions sociales qui sont loin d'être ratifiées, même la France ne les a pas toutes ratifiées, et puis sans valeur contraignante sur les échanges mondiaux. Mais en tout cas, c'est un patrimoine qu'il faut qu'on préserve, et pareil sur les COP. Donc les COP, c'est un cadre qui est très important parce que multilatéral, avec toutes les parties prenantes, et donc c'est extrêmement important que, par exemple, Vanessa s'y exprime. Je sais que c'est dur parce qu'en face, on a des gens qui sont totalement hypocrites, totalement cyniques, et donc faut aussi prendre sur soi en se disant comment est-ce que je vais faire pour pouvoir toucher et percer ce mur du greenwashing avec de grands discours qui sont en décalage complet avec ce qui se fait et qui donnent juste envie de vomir. Mais c'est très important d'y être, justement pour ne pas les laisser entre eux. Il faut surtout pas les laisser les affaires du monde au monde des affaires. Donc il faut être présent à tous les endroits. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir une stratégie gagnante. Et donc il faut des mobilisations de masse, des grandes manifestations de rue. Et puis il faut aussi être capable d'aller plus loin quand c'est nécessaire, mais le fait d'aller plus loin, il faut pouvoir être soutenu par l'opinion. Et donc ça se travaille. S'il y avait juste des actions de désobéissance civile sous différentes formes, et s'il n'y avait pas des actions de masse derrière, ben ça, c'est très facile à isoler. Le problème, c'est justement, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas sur des actions d'avant-garde éclairée ? Parce qu'une avant-garde éclairée, ça se mate très facilement. Alors, c'est un peu ça, l'avant-garde éclairée, c'est un peu pour vous, quand même, Anna Lazar. Est-ce que, du coup, si la dissolution des soulèvements est possible politiquement, c'est pas aussi parce que, finalement, la masse critique, d'une certaine façon, n'est pas forcément atteinte, et que vous êtes peut-être un peu, Sophie Binet vous dit, l'avant-garde éclairée, justement. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que là, justement, sur les on va voir comment l'histoire va s'écrire, mais sur les soulèvements de la Terre, je pense que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Parce qu'il y a un aspect juridique. Déjà, aussi, j'espère que la justice va retoquer, et ensuite, je pense que l'opinion ne va pas suivre. Justement, okay. Parce que derrière, il y a des organisations de masse qui construisent la conscientisation sociale et environnementale. Et donc, mais par contre, il faut toujours être conscient du fait que il faut travailler la masse, parce que sinon, effectivement, on est tout de suite rayé de la carte. Par rapport à ça, Léna Lazar, c'est intéressant quand même. Ouais. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi, justement, qu'il faut peut-être encore convaincre plus largement, travailler, construire plus largement, même si plus de 100 000 personnes ont signé un texte de soutien, évidemment, une pétition de soutien au soulèvement de la Terre. Pour moi, il y a, en fait, étant donné qu'on a une coalition très large, il y a la question de la composition qui se pose sans arrêt. Et donc, il faut continuer à renforcer nos liens. Par contre, massifier toujours plus, c'est pas forcément le but des soulèvements de la Terre. L'idée, c'était en effet d'être suffisamment soutenu pour que on évite de se retrouver, pour éviter de conforter le récit policier de l'État qui dit qu'on est un petit groupuscule d'ultra-gauche totalement minoritaire. Et en fait, on sait très bien que les grandes entreprises, justement, quand il y a des campagnes qui ont été menées contre elles, et je pense notamment à celle de Nestlé, il me semble, dans les années 70, il y a un texte très intéressant qui était ressorti dans le livre de... Bon, j'ai un trou. C'est pas grave. Je me disais peut-être que vous voyez de quoi je parle. C'est terrible, je suis assez fatiguée. Mais on voit justement que la stratégie des grandes entreprises face aux grandes campagnes des activistes écologistes, et là il s'agissait de l'accaparement de l'eau de Nestlé, c'était de dire en effet il faut isoler les radicaux, créer des scissions dans les mouvements sociaux, dans les mouvements écologistes. Et ce qui s'est passé face à la dissolution des soulèvements de la Terre, moi je suis heureuse qu'on ait réussi à tenir malgré les images en boucle, voilà, des affrontements assez
Sainte-Soline, qui ne correspond pas du tout au cadre de non-violence stricte de certaines organisations qui composent les soulèvements de la Terre, mais on s'est tenus tous ensemble. Et j'ai l'impression, et tu me diras Sophie, mais que ça a été aussi assez remarquable que l'intersyndical, vous arriviez à tenir ensemble aussi longtemps, même si j'imagine qu'il y a des désaccords et qu'en effet, c'est pas tout rose. Mais j'ai l'impression que là, dans les mouvements sociaux, on arrive davantage à faire bloc et à être solidaire et à affirmer justement une certaine radicalité, même si des fois, en effet, il y a des désaccords entre nous. Vas-y, peut-être Sophie Binet. Oui, pour revenir un peu sur cette articulation, cette fausse confrontation entre le social et l'écologie, il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a environ la moitié des salariés du pétrole et du gaz qui veulent déserter leur industrie ou travailler dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce que peut faire le syndicalisme, en tout cas la CGT, pour s'emparer de ça? Enfin, c'est quoi pour vous le rôle des travailleurs dans la transition écologique? Pour nous, c'est un enjeu central pour le syndicalisme de réussir à justement dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental. Et pour réussir à les dépasser, déjà, il faut admettre que ce n'est pas des faux problèmes. Il y a de vrais problèmes en termes de contradictions. Et qui s'expriment dans un syndicat comme la CGT, clairement, avec des oppositions, avec des débats, avec des lignes très claires. Et en plus, hyper légitimes. Par exemple, sur la question du diesel, là, le patronat dans l'automobile nous a annoncé qu'il y avait 50 000 suppressions d'emplois dans 3 ans, sous 3 ans. Voilà. Et puis, point barre, on passe à autre chose. Le problème, c'est que nous sommes toujours les premiers à passer à la caisse. Et donc, on ne peut pas résoudre la question environnementale si on ne traite pas la question sociale. Un exemple parmi d'autres, la France a décidé en 2012 de fermer ses centrales à charbon. Bon, les centrales à charbon, on sait qu'il y a quand même un impact fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que ça a été décidé, donc déjà sans aucune planification sociale ou environnementale, et donc on les a fermées en 2012, et puis on s'est retrouvé là à réouvrir en catastrophe des centrales à charbon parce qu'on n'avait plus assez d'électricité. Ensuite, on se retrouve, comme on n'a pas assez d'électricité maintenant en France, à devoir en importer du pays qui a l'électricité la plus carbonée, à savoir l'Allemagne. Donc voilà, donc leçon numéro un, pour dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental, il faut planifier, il faut une planification environnementale et sociale à partir des besoins sociaux. Leçon numéro deux, il faut, pour dépasser les contradictions, sécuriser la situation des salariés et commencer par ça. Et donc ces centrales à charbon, par exemple, on les a fermées, puis on a dit aux salariés... Au revoir, circuler, il n'y a rien à voir. C'est la même chose que ce qui se passe dans le secteur automobile. Pour que la discussion elle se passe bien, il faut commencer par dire le contrat de travail des salariés est maintenu. On leur organise une formation professionnelle pendant 12, 24, 36 mois, le temps de réorienter leur production quand c'est nécessaire. Et ils retrouveront leur emploi, leur garantie collective sur de nouveaux postes. Et puis enfin, le dernier aspect, et donc ça n'est absolument pas fait. Le dernier aspect, c'est que comme salariés, on est les mieux placés aussi pour avoir notre mot à dire sur les transformations environnementales. Mais on a très peu de droits en entreprise pour se faire entendre. Et ben, par contre, la CGT, elle multiplie les projets alternatifs. Donc, par exemple, sur la question des centrales à charbon, il y a une centrale qui s'appelle Gardanne, qui a été fermée en 2012. Il y a eu 5 ans de lutte. Et pendant ces 5 ans de lutte, et vraiment avec un travail magnifique qui a été fait, les salariés ont construit un projet alternatif pour reprendre la production de gaz avec du bois usagé. Et là, enfin, on vient d'obtenir les autorisations. Et ça, des projets comme ça, en fait, on en a plein, mais à chaque fois, on les mène en passager clandestin parce qu'on n'a pas de droit d'intervention sur les stratégies industrielles, les stratégies économiques, on n'a pas de droit d'expertise, etc. Donc il faut nous confier ces droits pour qu'on puisse faire ce travail-là de transformation. Et donc, par exemple, c'est la CGT des cadres qui a monté un outil qui s'appelle le radar travail environnement pour permettre aux salariés, à partir de leur travail, de dire il faudrait changer quoi pour limiter l'impact environnemental de mon travail. Est-ce qu'on n'a pas un cas pratique là ces jours-ci, Clémence Dubois, Salon du Bourget, l'industrie aéronautique s'est jamais portée aussi bien. On nous dit, vous inquiétez pas, il va y avoir deux fois plus d'avions dans 20 ans. L'avion vert va tout résoudre, hein, donc un avion qui serait vert, ce qui nous semble comme ça assez dissonant, mais en tout cas l'industrie nous dit que ce sera possible. Est-ce que c'est pas justement l'exemple typique des contradictions dont on a parlé pendant tout ce plateau, c'est-à-dire que une solution, soit l'avion vert il va nous permettre de continuer à voler tant qu'on veut, soit non, et dans ce cas-là il faut
arrêter maintenant d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas justement un exemple de ces contradictions-là? Moi, j'aime bien le cas de l'aviation parce qu'il est toujours utilisé pour caricaturer les personnes qui appellent à la régulation de l'aviation. Ce serait des dangereux Khmer verts qui veulent empêcher les gens de partir en vacances. Déjà, Elisabeth Borne l'a dit encore hier, je crois. Exactement ça. C'était punitif d'une certaine façon. Pourquoi pas. Mais justement, je pense que ce que peu de gens savent et ce qu'il faut remettre le contexte, c'est-à-dire que l'avion n'est absolument pas un moyen de transport démocratique. Il y a seulement 36% des Français qui utilisent l'avion chaque année. Il y a 50% des émissions de CO2 qui sont liées au secteur de l'aviation qui sont dues à 1% de la population. Donc en fait, la question n'est pas de jeter la pierre aux gens aux jeunes qui vont utiliser quiconque va utiliser l'avion pour découvrir une autre culture, etc. Là, à nouveau, on est sur un système en fait très inégalitaire où finalement ce sont encore les riches qui polluent le plus. Donc après, parler de l'avion vert, on aimerait tous y croire. Pour le moment, c'est pas des technologies qui sont au point. Et donc, en fait, l'industrie utilise ça comme pour légitimer l'accroissement encore du trafic aérien, alors même qu'il faut le baisser. Donc, c'est ce qui s'appelle une distraction, une dangereuse distraction. C'est pas une fausse solution, c'est une dangereuse distraction. Mais en fait, tout ça, c'est un peu comme finalement l'industrie fossile qui parlait du gaz comme d'une énergie en transition et qui utilisait ça pour produire encore davantage d'énergie fossile. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut, dans ce débat, il faut à nouveau sortir de la responsabilité individuelle. Il faut des vraies politiques publiques qui encadrent le secteur et qui permettent de réduire les émissions d'une industrie qui ne veut pas participer visiblement à l'effort. Sophie Binet, Emmanuel Macron au Bourget, il a parlé de sobriété raisonnable et critiqué la sobriété punitive, justement. Est-ce que finalement, il n'y a pas un enjeu, finalement, si on parle des travailleurs, les travailleurs peuvent se dire aussi, l'écologie, ça peut nous prendre notre emploi, ça peut nous prendre notre mode de vie, ce qui fait qu'on a un mode de vie parfois qui fait qu'on est qu'on ne fait pas que travailler dans la vie. Comment, en tant que syndicat, vous pouvez justement accompagner le discours autour de la transition écologique sans donner le sentiment aux gens que la transition écologique, ça veut dire renoncer à tout ce qui fait la vie, d'une certaine façon. Mais justement, en répondant à la question sociale, et puis en montrant que la question environnementale, c'est un énorme problème, parce que si on n'y répond pas, on voit déjà l'impact désastreux du changement climatique, mais c'est aussi une chance, ça c'est Naomi Klein notamment qui le dit de façon, je pense, très juste, parce que pour nous, c'est un argument supplémentaire pour montrer les impasses du capitalisme, et pour montrer la nécessité de rompre avec ce mode de fonctionnement-là. Moi, je vais citer trois points. Le premier, c'est la nécessité d'avoir une planification collective environnementale et sociale. On ne répondra pas à la question environnementale s'il n'y a pas un système de planification, d'anticipation. Le deuxième point, c'est l'austérité, qui est complètement incompatible avec la transformation environnementale, parce que là, il y a des investissements massifs qui sont nécessaires. Le troisième point, c'est les services publics, c'est qu'on ne peut pas faire face à la question environnementale en démantelant les services publics. Là, par exemple, demain, à Lille, il y a une grande manifestation des cheminots pour défendre le fret ferroviaire, puisque la France est en train de démanteler son service public de fret ferroviaire. C'est très grave. Et ce qui se passe dans les pays en développement, c'est qu'on a une économie néocoloniale, et à la place des États, ce qui a remplacé les États, c'est les multinationales. Et on laisse piller les pays en développement, notamment l'Afrique, par les multinationales, et on laisse les multinationales détruire et empêcher la construction de grands services publics pour permettre le bien commun. Et on pourrait continuer. Et puis le dernier point, c'est évidemment le défi. On ne peut pas répondre au défi environnemental si on ne remet pas en cause les inégalités sociales massives entre le capital et le travail. On sait que depuis les années 80, avec la financiarisation de l'économie, il y a eu une déformation du partage de la valeur entre de toute manière, les richesses, il faut le rappeler toujours, c'est nous qui les créons avec notre travail. Donc entre les richesses que nous créons, qui vont pour rémunérer le travail, et celles qui vont pour rémunérer la rente et le capital, et
Mais on est de plus en plus dans une économie de rentiers où il vaut mieux ne pas travailler et vivre de sa rente que de tenter de vivre de son travail. Et donc, si on ne remet pas en cause cette répartition inégale des richesses entre le capital et le travail, on ne peut pas répondre aux défis environnementaux. Vanessa Nakate, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette discussion autour de la façon dont, dans le Nord, dans les pays du Nord plutôt, d'aller vers la transition écologique sans sacrifier la question sociale? Comment ça résonne pour vous avec votre expérience d'activiste en Afrique? Well, first of all, I'll say that, you know, there is no climate justice. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'il n'existe pas de justice climatique. Je crois que le message, c'est que nous devons agir tous ensemble. Lorsque des militants disent que nous avons besoin de mettre fin de manière équitable aux énergies fossiles, c'est une sortie, mais avec l'humain. On peut appeler l'action climatique, mais qui dit action climatique ne dit pas forcément justice climatique. Certaines solutions ne sont pas centrées sur l'humain. Or, c'est l'humain qui est au centre des changements. Et je crois que c'est peut-être ce point-là qu'il faut comprendre. On peut parler de transition, mais il faut parler de transition juste. Il faut que les travailleurs, que les hommes et les femmes participent à cette transition, soient au cœur de cette transition. Ce que l'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est le développement économique d'une part, la perte d'emplois d'autre part. Aujourd'hui, nous devons essayer de voir comment ces différents mouvements peuvent coexister. Parce qu'au final, la lutte pour l'égalité climatique, c'est une question de bien-être, finalement, sur cette planète, tout simplement. On va presque conclure là-dessus, mais Léna Lazare, je voulais vous demander une dernière chose. C'est quoi la suite maintenant pour les soulèvements de la Terre? Est-ce que les soulèvements de la Terre continuent d'organiser des actions? Est-ce que les soulèvements de la Terre parient sur, justement, comme disait Sophie Binet, le fait que la justice peut-être infirmera la dissolution prononcée par le gouvernement? Eh bien, les deux. Déjà, ce qu'on pense, c'est qu'on ne dissout pas un soulèvement, on ne dissout pas un mouvement aussi large qui est composé donc, de plein d'organisations, de collectifs, qui avait l'habitude de lutter ensemble. Et le mouvement des luttes locales contre l'artificialisation des sols et contre l'agro-industrie existe en France depuis des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, on est, les plus parlantes, c'est Notre-Dame-des-Landes, avant le Larzac, Plogoff, etc. Mais je pense que justement... Les habitants sur un territoire vont continuer à se battre contre les projets polluants et imposés qu'il y a près de chez eux et avec une complémentarité des tactiques qui inclut les modes d'action qui ont été remis au goût du jour, très médiatisés au sein des soulèvements de la Terre, que sont le désarmement et peut-être un peu moins les reprises de terre. Donc ça continue, désolé, je suis un peu longue. D'autres formes. On va faire un référé et aussi on a une action qui est prévue du 18 au 27 août contre les méga-bassines. Donc on va faire un convoi en tracteur et à vélo de Sainte-Soline à Paris avec des actions tout au long du trajet et cette action aura bien lieu. Et voilà, on se donne rendez-vous d'ici entre 2 et 3 mois pour avoir le résultat du référé au Conseil d'État. Merci beaucoup Sophie Binet d'être passée par Mediapart, Vanessa Nakate, merci beaucoup Clémence Dubois, on vous revoit tout à l'heure. Merci aussi Léna Lazare de nous avoir parlé de la dissolution donc prononcée par le gouvernement des soulèvements de la Terre. Un mot pour vous dire que nous sommes désolés, mais Greta Thunberg nous a fait savoir à la dernière minute qu'elle ne pouvait pas être présente ce soir. On le regrette, mais c'est comme ça. Voilà, dans un instant, avec Jade Lingard, nous allons recevoir d'autres figures mondiales de la lutte anti-climat et d'autres syndicalistes et acteurs des mouvements sociaux en France. Mais puisqu'on a déjà beaucoup parlé d'énergie fossile et de déni climatique, vous allez regarder, si vous le voulez bien, notre reportage à l'Assemblée Générale de Total. Ça vaut le détour, c'était le 26 mai. Un reportage de Floriane Louison, Clément Brelet, montage Mathieu Possy. Oh,
police, on les mains, où y a né en maillot blanc. La police, on les mains, où y a né en maillot blanc. On ne peut pas vous laisser passer, s'il vous plaît. Mais non, c'est un jour par l'année, aujourd'hui, on est obligé de bloquer. Bah oui, une fois par an. Bah oui, c'est aujourd'hui. J'ai le droit d'aller voter. Oui, vous avez le droit, monsieur. Vous avez le droit. Faites le tour par là, monsieur. C'est pas trop tard. Justement, monsieur, je comprends. Vous ne pouvez pas passer. Vous êtes actionnaire de Total ? C'est scandaleux. Et ce que j'ai dit à un de vos collègues, les gens de Greenpeace et compagnie, c'est les idiots utiles des Allemands. Greenpeace est financé par les Allemands. Oui, c'est des abrutis, c'est tout. Ça vous fait quoi de voir tous ces manifestants qui essayent de bloquer l'AG? Ça sert à rien. La politique ne se décide pas dans la rue. Eux, ils se battent contre le climat, ils estiment mais que Total c'est ils servent à rien, c'est pas une manière de faire. Il faut aller à l'Assemblée nationale, il faut voir les politiques, il faut pas venir bloquer une assemblée comme ça. Pour moi, c'est du fascisme. Empêcher une assemblée générale, c'est comme envahir le Capitole, ou comme c'est pareil. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est les Trumpistes, c'est l'extrême droite, c'est les fascistes. Vous pensez quoi de la trajectoire de Total ? Ben, la trajectoire de Total, elle est bien. C'est une société qui est bien gérée et qui est là pour faire des bénéfices. Et pour le climat ? Pour le climat aussi, ils s'en occupent, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ça me désole, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'ont rien compris. Si on veut s'attaquer au problème, et il faut s'attaquer au problème, il faut s'attaquer à la demande. C'est-à-dire tous les gens qui sont là, et non pas à l'offre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. D'ailleurs, ça s'appelle Total Energy avec un S. Ça montre bien qu'ils ont pris conscience, depuis plus longtemps que les gens ici qui râlent, de nécessité d'évoluer. Mais ils font toujours plus de pétrole et de gaz. Non, ils n'en font pas plus. Non, ils en font... Pas vrai, c'est faux. Pas vrai. C'est pas vrai, selon vous. Non, ils en font peut-être plus, mais par rapport au chiffre d'affaires global, moins. Comment vous viviez d'être bloqué par les manifestants ? Très mal, madame. Vous comprenez leurs revendications ? Non. Pourquoi ? On peut parler sans être violent. Mais ils sont pas violents. Ils m'empêchent de circuler sur la voie publique. Et vous ? Leurs revendications pour leur avenir, pour le climat, vous les trouvez pas légitimes ? Non. Total, méga flop. Total, méga flop. Total, méga flop. Total, méga flop. On est des scientifiques, c'est tout. On veut dire que ce qui va se passer, ça va être terrible. Total est en train de bousiller la planète, donc ça vaut la peine. Vous n'avez pas de voiture ? Non. En plus, vous prenez jamais l'avion ? Non. C'est dommage, et comment faites-vous ? Vous êtes en train de financer le projet ICOP non plus, vous ? Non, pas du tout. Le projet ICOP. Vous comprenez leurs revendications pour le mais climat. ils ont parfaitement le droit. Maintenant, regardez les voitures, là. Vous savez combien il y a eu de bouchons sur les routes pour le week-end de l'Ascension ? Qu'est-ce que vous faites contre ça ? Bien sûr, il y a un problème de réchauffement climatique. Simplement, c'est pas en claquant des doigts qu'on le règle. Ce sont les mêmes qui sont contre le nucléaire alors qu'ils n'ont pas compris que c'était la meilleure façon de décarboner. Donc si vous voulez, l'idéologie, ça va pas. On ne peut pas cerner vraiment la réalité du réchauffement climatique de manière scientifique. Enfin, ni vous ni moi. Non, mais on a des organismes scientifiques qui le font. Le GIEC, c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui, mais je voudrais savoir pourquoi eux, on les entend. C'est la doxa maintenant, et pourquoi ceux qui émettent des doutes sur l'origine humaine du réchauffement, on leur refuse la parole dans les médias. C'est une infime minorité par rapport à une immense majorité. Oui, mais on ne les entend jamais. Parce qu'en général, ils émargent auprès des pétroliers. Ah, ben oui. Voilà. Vous n'êtes pas sûr de la réalité du réchauffement climatique, des dérèglements climatiques ? Ah si, le réchauffement climatique, c'est une évidence. Ce que je conteste, c'est que l'homme en soit à 100% responsable. À mon avis, ça me paraît quand même un peu démesuré. Hein. C'est ce que... de la responsabilité de l'homme. Bien sûr, du temps des dinosaures, il y avait déjà des variations climatiques. L'homme n'existait pas. Hein.
Et je suis rejoint par Jade Lingard du pôle écologie de Mediapart pour cette deuxième partie d'émission où on va écouter, pour commencer, le récit de militantes du climat sur les luttes qu'elles mettent en Afrique, en Inde et puis aussi en Europe. À nouveau, Attaque et 350.org avec qui on organise cette émission seront là pour échanger avec elles un peu plus tard. Donc on est très heureux de vous recevoir toutes les deux, Diana et Disha. Diana Namburima, vous êtes une des directrices d'Afiego, c'est une très importante ONG en Ouganda, notamment engagée contre le projet d'oléoduc géant de Total ICOP dont on a parlé déjà avec Vanessa. Disha Ravi, bonsoir. Vous êtes une militante du climat. En Inde, vous militez à Fridays for Future MAPA. MAPA, ce sont les pays les plus pauvres touchés par le changement climatique. Jade. Disha, on est vraiment très heureux de vous recevoir à Mediapart parce qu'on connaît votre travail d'activiste et on a voilà, beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. On aimerait commencer par une question à la fois sur l'Inde et à la fois sur vous. Le sous-continent indien, c'est 1,8 milliard d'habitants. C'est le quart de l'humanité. Rien que ça, ce sous-continent est déjà très touché par le changement climatique. Est-ce que vous pourriez nous dire tout simplement ce qui vous a conduit à vous engager dans la lutte contre le changement climatique ? For me personally, it was like you said that majority of the country is already. Je pense effectivement que la raison c'est la réalité de la crise climatique. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain. C'est quelque chose qui arrive déjà. C'est une réalité. C'est une réalité pour tout le monde, chez nous, mais partout, absolument partout. C'est une réalité. Was our reality now, and it was already bad. I didn't want to imagine a future that would be much worse. Et les choses vont s'empirer. J'aime mon pays. J'aime les gens. J'aime l'autre. Aujourd'hui, je veux pouvoir vivre dans une planète où nous pouvons vivre correctement, une planète que nous respectons aussi. Le fait de voir une catastrophe en particulier, une inondation en particulier, une coulée de boue ou une sécheresse, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous a conduit à vous engager ou est-ce que c'est au bout d'un moment l'accumulation d'événements désastreux qui vous a donné cette énergie pour vous engager comme activiste? For me personally, it was several events. It was Alors, ce sont bien plusieurs événements. D'abord, la crise à laquelle ont eu à faire face mes grands-parents. C'est un petit peu l'accumulation de différents événements qui m'ont fait décider que je devais m'engager. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir le devoir que ce n'est juste pas possible de poursuivre. Et votre famille en Inde? They live in a state called Karnataka. They live near Tiptur, in a village near Tiptur. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire, ici, c'est intéressant parce que on a régulièrement dans les médias, mais très brièvement, des informations sur finalement, par exemple, des excès de chaleur en Inde. On a vu évidemment ces immenses inondations, pas en Inde mais au Pakistan. Et puis tout ça disparaît dans les médias. Est-ce que aux gens francophones ou anglophones qui nous regardent, est-ce que vous pouvez leur expliquer, quels ont été les événements marquants des dernières années ou les inflexions vraiment très importantes sur le changement climatique qui montrent que déjà, nous avons changé de monde dans le sous-continent indien. Honestly, India has like the whole menu of the climate crisis. Je crois que nous avons eu droit à peu près à tout. Nous avons eu des inondations dans les régions côtières, Goa, Bombay, des vagues de chaleur dans les pays. Un rapport récent a montré que 95% des Indiens vont être impactés par des vagues de chaleur. Yeah, 90%. 90%.
It's just getting continuing to get worse because et cela ne va que s'empirer. Il y a des cyclones, il y a des cyclones. Aujourd'hui, il y a un cyclone qui est en train d'arriver, qui va arriver. We haven't recovered from these. Nous n'avons pas véritablement récupéré après d'autres événements et aujourd'hui il y a aussi une véritable exaspération parce qu'il y a une pression énorme à cause de des industries des carburants fossiles. L'Inde a fait face à d'innombrables inondations, ça continue aujourd'hui et le pays ne s'en remet pas. Le pays ne récupère pas. On voit de plus en plus de réfugiés climatiques. Nous avons aujourd'hui des familles qui sont obligées de vendre leurs filles parce qu'ils n'ont plus aucune source de revenus. Voilà, et j'en passe. Donc, la situation s'empire. La situation est extrêmement délétère et cela ne fait que commencer. On est à 1,2 degré, on va arriver à 1,5 degré. La différence marginale va avoir un impact très important. Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, ici comme en Europe, alors même que nous savons que l'Europe est en train de devenir un hotspot du changement climatique, on a l'impression qu'encore beaucoup de gens voient ça de façon assez éloignée dans leur quotidien, en se disant les choses... Alors on commence à comprendre d'une certaine façon, mais on a l'impression que beaucoup d'Européens se disent « c'est pas pour tout de suite ». Qu'est-ce que ça vous inspire finalement, cette façon de beaucoup de gens du Nord de parfois oublier cette urgence ? It's actually concerning because the first Écoutez, time that the c'est inquiétant. Global North la... even focused on the climate crisis was when la première fois, je crois que c'est au Royaume-Uni qu'il y a eu des vagues de chaleur absolument terribles. Je me souviens à l'époque des images que nous voyons à la télévision et à l'époque les gens ne se rendaient pas véritablement compte. Ils se disaient c'est bien, il fait bon l'été en Grande-Bretagne, mais je crois que c'était un premier signal et je crois que les gens ont commencé à réaliser à ce moment-là à quel point ça pouvait être grave finalement. Mais jusqu'à ce moment-là, les gens n'avaient pas véritablement compris, capté la gravité et le fait qu'il s'agissait bien d'une crise. Je ne sais pas jusqu'à où il faudra aller pour que les gens comprennent. Les gens souffrent de plus en plus en Inde et ailleurs. Et ce sont d'ailleurs surtout les gens qui vivent dans l'hémisphère sud qui souffrent, dans le nord aussi. Mais cela n'a rien à voir avec les communautés, les énormes communautés qui sont impactées. Alors bon, on s'achète du temps grâce à l'argent dont nous disposons. Mais aujourd'hui, il faut agir. Et il faut que le nord, l'hémisphère nord, accepte l'idée que la crise climatique, c'est maintenant. Et l'action, c'est maintenant. C'est bien le Nord qui a causé cette crise climatique. Et aujourd'hui, c'est à eux de réparer et de financer les réparations pour sauver la planète. Il faut agir, dites-vous, urgemment et tout de suite. Et en même temps, il y a de la répression contre les activistes climat. Plus tôt aujourd'hui, vous avez participé à la conférence de presse en soutien au soulèvement de la Terre. Comment est-ce que vous pourriez décrire pour nous les pressions policières et de la justice contre les activistes climat en Inde ? Les activistes du climat, mais les gens qui défendent l'environnement, mais au-delà de ça, tous les activistes en Inde, d'une façon générale, sont remis en question, ils sont critiqués, il y a des lois de plus en plus répressives contre l'activisme, même l'activisme paisible. Hein. Et ça, c'est très préoccupant. Et cela crée un précédent, non seulement en Inde, mais dans d'autres pays aussi. Aujourd'hui en France, on a vu qu'un groupe de défenseurs de l'environnement devient interdit. Voilà des gens qui aiment la planète. Est-ce que c'est radical ? Voilà des gens qui veulent une meilleure planète. Est-ce radical ? Est-ce que c'est de l'écoterrorisme ? Ce sont des droits humains. Il ne faut pas être emprisonné pour cela.
ça devrait être naturel. Ils devraient pouvoir, on devrait tous pouvoir se battre pour notre planète, non seulement en Inde, mais ailleurs. Il nous faut un meilleur avenir, c'est tout. Disha nous a raconté comment elle a commencé à militer en Inde. Est-ce que finalement, vous aussi, la façon dont vous commencez à militer commence par une expérience du réchauffement climatique? Moi, personnellement, j'ai commencé l'activisme anti-environnemental, puis je me suis lancé dans l'activisme contre le changement climatique, parce que quand je grandissais, j'étais enfant, j'avais 7 ans, et mes parents m'ont emmené dans une école, et à ce stade, je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Là où je vivais, il y avait un air qui était de qualité, l'eau était bonne et on pouvait boire l'eau du robinet. Je sais qu'en France, l'eau du robinet, on la boit, mais dans mon pays, si on boit l'eau du robinet, eh bien on attrape la typhoïde. Hein, voilà le risque. Donc, mais moi, j'ai vécu dans une zone rurale jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis ensuite, je me suis rendu à Kampala et là, j'ai suivi des études universitaires. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Lors de ma dernière année d'études, j'ai eu de l'asthme. Et cet asthme, c'était le résultat du fait que Kampala est une des villes les plus polluées du monde. La pollution atmosphérique est terrible à Kampala. Notamment par le... C'est dû au fait parce que les véhicules automobiles sont anciens. Et donc, c'est l'énergie fossile qui entraîne des maladies respiratoires à Kampala et en Ouganda en général. Et parce que j'avais vécu dans un endroit où l'air était propre, j'ai pu faire la différence. Et je me suis rendu compte que si on ne se bat pas pour la nature, si on ne veut pas pour une meilleure santé, eh bien, on va souffrir. Donc ça, je l'ai compris dans ma chair. Puis, plus tard... Ma famille est une famille qui est une famille d'agriculteurs. La plupart des gens au Ouganda vivent dans des zones rurales. Hein, et il y a 68% de la population qui vit dans une économie de subsistance. Autrement dit, ils travaillent la terre et c'est ainsi qu'ils se nourrissent. Et s'il ne pleut pas, eh bien, cela signifie que c'est grave. Ou s'il y a trop de soleil, s'il y a de la sécheresse, par exemple, ça signifie que ces gens-là, qui vivent d'une économie de subsistance, n'ont pas assez à manger. Et ils appellent les gens qu'ils connaissent en ville. Et il faut pour avoir de l'aide. Donc moi, je me rends compte que la crise du climat, c'est une histoire de vie ou de mort. Contre lequel vous vous battez en Ouganda. Donc un tout petit mot sur ce projet ICOP contre lequel vous vous battez en Ouganda. Faites-nous comprendre l'ampleur et les dégâts climatiques de ce projet à des gens qui nous regardent et qui potentiellement n'en ont jamais entendu parler, à part en lisant les articles de Jade et de Michael sur Mediapart. Donc cet oléoduc ICOP, c'est un projet d'oléoduc qui va partir des champs pétroliers de Tilenga et de Kingfisher, là on est dans l'ouest de l'Ouganda, pour aller au port de Tanga, en Tanzanie. Si cet oléoduc est construit, et on espère bien qu'il ne le sera pas, parce que ce serait une véritable catastrophe pour le climat, la biodiversité et la population, excusez du peu, 260 000 barils de pétrole brut par jour. Et pour que cet oléoduc soit construit, et pour que les champs pétroliers de Tilenga gérés par Total Energy, pour que tout cela marche, pour que le pétrole soit produit et pour que l'infrastructure soit mise en place, il faudra déplacer plus de 100 000 personnes. Il dit régulièrement, je vous repose la question, puisque voilà, vous mettez l'oreillette pour la traduction, le patron de Total
ou même d'autres dirigeants disent régulièrement que ce genre de grands projets, ils servent à développer un pays comme l'Ouganda, qu'ils vont aider à sortir les gens, peut-être leur faire gagner plus d'argent, créer de l'emploi. C'est ce qu'on entend ici beaucoup, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? N'importe quel projet d'énergie fossile, que ce soit en Ouganda, en Tanzanie ou ailleurs, eh bien ça va à l'encontre du développement. Ça va à l'encontre du développement pour la majorité des gens. C'est vrai en Ouganda, c'est vrai partout dans le monde. En effet, tout nouveau champ pétrolier, même les champs pétroliers existants, ils ne font qu'empirer la crise climatique. Des millions et des millions de gens qui travaillent dans l'agriculture partout dans le monde. En Afrique, près de 60 ou 70% de la population africaine compte sur l'agriculture pour gagner sa vie et pour survivre. Autrement dit, nous sommes en danger. Ces gens-là ne pourront plus gagner leur vie, ils ne pourront plus survivre. Par ailleurs, ces projets mettent en danger la capacité des gens qui travaillent dans le domaine du tourisme. Et parce que ce secteur-là et d'autres secteurs, particulièrement en Ouganda et en Afrique, sont vulnérables face au changement climatique. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que vient d'expliquer Diana, à savoir que prétendre développer les pays du sud global avec les industries fossiles est une fausse idée, est un mensonge, que ça ne développe pas les pays, les économies de ces pays du sud global. Que pensez-vous de cette analyse ? Je suis 100% d'accord avec Diana. C'est pas la première fois qu'on accuse les activistes du climat d'être anti-développement. Mais en vérité, la construction d'un oléoduc, à une époque où on est en train de. Où on est complètement en époque de canicule, c'est pas rationnel. Un oléoduc chauffé, hein. Les scientifiques nous disent que c'est mauvais, que c'est délétère. Il y a des gens qui ont des tas de connaissances scientifiques qui confirment cela à coups de millions de données les unes après les autres, mais on ne les écoute pas. On dit, voici les données. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça va nuire à des centaines de milliers de gens. Là, c'est 100 000 personnes déplacées qui vont tout perdre. Hein. Et là, ça, c'est à court terme. Lorsque l'oléoduc sera en fonctionnement, et on espère qu'il ne le sera pas, ça va augmenter les émissions dans l'atmosphère. Ça ne va faire qu'augmenter les émissions de CO2. Et ça va mettre en péril le vivant. Et on nous impose cela. Nous devons, au contraire, trouver des solutions différentes. Il faut viser le développement dans des pays comme les nôtres. Et il faut être résilient. Et il faut d'autres solutions. Les choses que nous bâtissons aujourd'hui, les infrastructures que nous bâtissons, tout cela, ça doit améliorer notre relation au vivant. Ça doit améliorer la qualité de notre vie. C'est pas le contraire dont on a besoin, parce que cet oléoduc ne fait que endommager et rendre les choses pires. Les pays du sud global ont un rôle à jouer dans l'action contre le changement climatique, ou est-ce avant tout la responsabilité des pays du nord, des pays du sud, en raison de la responsabilité historique et du différentiel de revenus et d'argent? Les pays du Nord ont un rôle plus important à jouer parce que ces pays sont responsables des émissions. Il faut qu'ils assument les émissions, il faut qu'ils assument la crise climatique. Il en va de leur responsabilité du point de vue de la justice, et les pays du Sud, pour autant, doivent travailler avec les pays du Nord. Mais
notre responsabilité ne sera pas la même, ça ne s'exercera pas au même niveau, parce que les pays comme l'Inde ou l'Ouganda qui ont été colonisés, hein, qui sont d'anciennes colonies, sont encore en reconstruction face aux conséquences de ce qui nous a été dérobé. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Hein. En Inde, on ne peut pas boire l'eau du robinet. C'est impossible pour nous. Pour nous, on se bat pour avoir des systèmes d'assainissement. On se bat pour avoir de l'eau propre au robinet. C'est ça qu'on veut. Et ce sont les nécessités vitales. Alors que dans les pays du Nord, tout le monde boit l'eau du robinet. Il y a de l'assainissement. Et donc, il en va de la responsabilité des pays du Nord d'assumer les choses et de financer ce qui est nécessaire. Des rapports Nord-Sud, on va faire entrer sur le plateau deux invités pour échanger avec vous. Ils vont arriver, je pense que la discussion ce sera intéressant. On va recevoir dans un instant, ils vont venir s'installer. Pendant qu'on parle, Yuli Yamamoto, qui est porte-parole de l'organisation ATTAC, qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique en France et dans le monde. Et puis Simon Dutheil, qui est co-délégué général du syndicat Solidaire. Je les entends, je crois qu'ils s'approchent. Ils vont venir, je ne sais pas. Peut-être qu'en en attendant qu'ils arrivent, on peut vous demander à toutes les deux une question de transition, d'Isha et Diana. Est-ce que dans chacune, pour chacune d'entre vous, est-ce que dans chacun de vos pays, une justice climatique et sociale vous paraît être un horizon proche ? Peut-être Diana ? Could you repeat the question? Est-ce que une justice climatique et sociale? Do you think that social and climate du mouvement climat, justice climatique, justice sociale, que les deux choses soient liées, est-ce que ça vous paraît être un horizon proche en Ouganda? So do I think climate, environmental and social justice is going to be attained soon? Yes, maybe in Uganda. Is it near or is it very far away? Well, it depends. Eh bien, ça dépend de ce qu'on entend par la volonté d'agir vite, parce que les grandes injustices sociales et environnementales, on les voit dans le sud, parce qu'il y a des multinationales du nord qui débarquent en disant qu'elles veulent nous développer. Et on voit ça dans le financement des banques, hein, qui financent ces multinationales. Mais nos gouvernements sont également responsables. Nos gouvernements ne protègent pas suffisamment nos peuples. Donc, si les gens sont déterminés à changer, le changement peut avoir lieu. Et nous devons tous nous battre pour assurer ce changement. Merci, Disha, et puis on parle à nos invités après. I agree with what you said. Okay. Bah, écoutez, je ne peux être que d'accord avec ce que je viens d'entendre. Pour que le changement puisse s'opérer, on a besoin de soutien. Le combat contre le changement climatique, ce n'est pas un combat individuel ou un combat d'un petit groupe. Ce n'est pas la responsabilité d'un pays à lui seul. Nous avons besoin de tous les pays de l'hémisphère nord. À toutes les conférences des Nations Unies sur le climat, ce qu'on négocie, c'est de l'argent. C'est combien d'argent? Combien d'argent va-t-on donner au sud, au pays du sud? Or, cet argent ne vient pas. Alors, il y a beaucoup d'argent, il y a les modalités. Est-ce que c'est sous forme de dette ou est-ce que ce sont des prêts? C'est une forme de dette aussi. Est-ce que ce sont des dons? Non, ce n'est pas un soutien. Et c'est bien cela qu'il faut changer. Nous ne pouvons pas négocier le futur, mais aussi le présent de notre planète. Parce que l'impact se fait ressentir sur des milliards d'habitants. Petit mot rapide quand même sur la dissolution des soulèvements de la Terre, parce que c'est un des thèmes évidemment qu'on retrouve toute la soirée. C'est une information importante. Vous étiez à cette conférence de presse. En quelques mots, l'un et l'autre.
l'autre votre réaction à cette dissolution. Bah, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter. Ça représente un vrai danger démocratique, un vrai danger pour la démocratie et pour le climat. En fait, à partir du moment où on dissout les soulèvements de la terre, c'est comme vouloir dissoudre l'écologie. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, c'est extrêmement inquiétant, notamment quand on regarde. Simon va pouvoir en parler, mais il y a aussi une forte répression dans le cadre des mouvements retraite. D'une manière générale, il y a une répression grandissante tant sur le terrain que dans les lois et les différents... Donc c'est la même chose, c'est le même mouvement pour vous ? C'est le même mouvement, oui, parce que on est dans le cadre d'un mouvement social et un mouvement écologiste qui est interdépendant. Et les soulèvements de la terre, c'est une lutte hautement symbolique, en fait. C'est à la croisée de tous les enjeux, à la croisée du défi climatique et à la croisée aussi du partage des richesses, hein, parce qu'on parle du partage de l'eau, du partage des biens communs, des terres. Donc, c'est hautement symbolique, hautement politique. Et là, on voit aussi que les soulèvements de la terre représentent un message, c'est que Darmanin, le gouvernement, Macron veulent envoyer un message, un signal d'intimidation. Ils veulent nous faire peur, nous faire taire, nous intimider et nous empêcher en fait de se battre pour un monde soutenable. C'est de l'intimidation, Simon Dutheil ? Oui, enfin, certainement. C'est l'intimidation et je suis d'accord avec ce que dit Yuli. On est dans la suite du mouvement des retraites. On a un pouvoir qui s'enferme sur lui-même et qui pense que réprimer, interdire, c'est un mode de gouvernement. Voilà. C'est une grave faute dans notre démocratie et ça montre son isolement, c'est clair aujourd'hui. Après, nous on le dit, on est les soulèvements de la terre, solidaires appelés à Sainte-Soline. Vous le dites et vous continuez à le dire ce soir. Oui, je continue à le dire, on assume, il n'y a aucun souci avec ça. Lyon-Turin, nous on est contre, voilà, et on est contre pour des questions sociales et écologiques. Tout à l'heure qu'elle était... Oui, on peut avoir des désaccords, y compris dans les syndicats, et ce n'est pas un problème. On discute, on échange, on avance. Aujourd'hui, c'est important de le rappeler. On est les soulèvements de la terre parce que on ne dissout pas un soulèvement, on ne dissout pas un mouvement. Et c'est vrai que c'est assez fou hein, quand on prend du recul et qu'on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer. On espère que la réaction elle sera à la hauteur et pas que dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que il y a des choses qui se jouent. Je finis là-dessus, mais sur notre démocratie, à quel moment on pense que l'illibéralisme dont on a pu taxer un certain nombre de pays commence à nous toucher. Mmh. Où se font les points de bascule? Hélas, c'est pas des points de bascule uniques, mais c'est des choses qui s'accumulent. On s'en rend souvent compte après, en plus. Mmh. Jade. Alors, Yuli Yamamoto, alors que vous entriez sur le plateau, à l'instant, avec Diana et Disha, on discutait des rapports Nord-Sud et des liens entre ces rapports Nord-Sud et le changement climatique. Pensez-vous, Yuli, qu'il existe une dette climatique des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud global ? Ah, la dette, elle est énorme, en fait. Mais en fait, Quelle est-elle ? De quoi parle-t-on quand on parle de dette climatique ? La dette climatique, c'est en fait l'activité des pays du Nord qui a un impact direct sur les pays du Sud. Et c'est vraiment... à toutes les échelles, c'est prendre leurs ressources et les polluer parce que c'est les pays du Nord qui produisent l'essentiel de la pollution mondiale, qui vont mettre, je sais pas, je caricature, mais leurs déchets dans les pays pauvres, etc., qui en plus vont prendre les ressources. Il y a la course aux minerais, la course aux métaux rares avec le grand développement du numérique qui vient puiser dans les ressources. Par exemple, il y a aussi un phénomène comme la fast fashion qui est extrêmement polluante et tout ça, c'est vraiment... C'est quoi la fast fashion ? La fast fashion, c'est la mode ultra rapide. Jetable. Hein. Voilà, par exemple, Shein ou Shine fait plusieurs modèles par jour, des centaines de modèles par jour. Donc c'est la mode jetable qui a des conséquences écologiques dramatiques. Ces déchets se retrouvent absolument partout. Ça, c'est les pollutions de la société de consommation des pays du Nord. Si je peux continuer. Allez-y sur la dette climatique. Oui, du coup, en fait, la dette climatique, elle est énorme, elle est essentiellement due au mode de vie des pays du Nord, et que c'est pour ça qu'il y a un enjeu à demander l'annulation de la dette, parce que c'est pas normal que ce soit les pays du Sud qui payent notre mode de vie. Alors, annulation de la dette, c'est en effet une revendication historique d'ATTAC et d'une partie du mouvement altermondialiste, mais ça voudrait dire quoi ? Abolir la dette climatique. Comment est-ce que les pays du Nord
mort globale peuvent rembourser, si on peut dire, la dette climatique aux pays du sud global. Oui, et après on oui c'est imagé, mais c'est-à-dire que c'est annuler la dette financière pour leur permettre d'agir, d'agir dans leur lutte contre le réchauffement climatique, de prendre des mesures, etc., d'investir dans des infrastructures, etc. Mais à partir du moment où ils sont asphyxiés par une dette énorme, hein, pour le cas de en 1980, je crois que c'est le comité des dettes pour l'abolition des dettes illégitimes qui disait qu'en 1980 il y avait les dettes des pays du Sud qui en fait ont augmenté. Enfin non, c'était pardon, je m'en mêle les pinceaux. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans une situation où sans vraiment penser à lever des fonds, à leur donner du budget, il y aura une incapacité à réagir au réchauffement climatique. Et c'est en cela qu'on doit payer la dette climatique. Simon Dutheil, comment est-ce que les pays du Nord global peuvent rembourser cette dette climatique aux pays du Sud global, puisque c'est une analyse que vous partagez en tant que mouvement syndical? Je rajouterais juste que la dette, c'est aussi l'héritage du colonialisme, et c'est l'héritage de l'extractivisme produit sur des siècles. Dans plein de pays, voilà, elle est là aussi, notre dette, qui a permis du développement économique d'un côté, qui a fait de l'appauvrissement de l'autre. Comment on fait? Il n'y a pas de solution magique. Il y a par contre faire pression totalement sur nos institutions et nos entreprises chez nous, et là on a un pouvoir et on a une responsabilité pour pousser, et sur nos États, pour pousser à l'annulation des dettes, ce qu'on pouvait dire. Voilà. Non, il n'y a pas à rembourser des choses qui ont déjà été remboursées un paquet de fois, par ailleurs. Mmh. C'est le même problème que sur les dettes dans tous les pays. C'est un capitaliste qui en profite et qui fait de l'argent sur notre argent. Donc c'est quelque chose qui est assez fou. Et puis, au-delà, il se pose la question forcément de chaque entreprise. Comment elle va interagir, l'entreprise du Nord avec les pays dits du Sud, pour discuter ce que c'est, mais de dire, voilà, on a un devoir de vigilance qui devrait exister. Évidemment, la loi ne nous le donne au final qu'assez peu d'éléments et de moyens d'agir, mais ça doit exister. Et puis, en fait, et c'est là, alors on dépasse peut-être la question de la dette, mais ça va poser aussi sur la question de production et de consommation. Ouais. Parce qu'en réalité, au-delà des questions financières qui sont évidemment très très importantes, il y a la question de qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme. Et là, nous, on est en première ligne, en termes de responsabilité. Comment, Disha, vous, demain il y a ce sommet sur la finance, justement sur cette question de la dette va être un petit peu évoquée. Je pense qu'il n'est pas question de l'annulation de la dette des pays en développement, évidemment demain à ce sommet. Mais est-ce que vous croyez encore, ces discussions sur la dette, elles sont très anciennes, et l'urgence climatique, elle est de plus en plus prégnante chaque jour. Est-ce que vous croyez encore à ces sommets, à ces discussions-là? You asked a very hard question. C'est une question difficile que vous me posez. It becomes very hard to believe in these summits. C'est vrai qu'il est de plus en plus difficile d'y croire à ces sommets, parce qu'on nous fait des promesses non tenues, personne n'est tenu responsable, et c'est vrai qu'on serait tenté de perdre espoir, et c'est le cas de beaucoup de gens d'ailleurs qui perdent espoir. Or, l'humain me donne de l'espoir. L'humain, les gens qui sont autour de cette table, parce qu'ils ont entrepris cette lutte pour une meilleure planète. Et je m'accroche à cet espoir tant que ces mouvements existeront. Et j'ose espérer que nous pourrons un jour dire vous êtes responsables, et ceux qui prennent les décisions sont responsables. Et j'espère qu'à un moment donné, quelque chose va se passer. Il faut nous entendre et nous allons continuer cette lutte. Aussi une question importante, c'est celle de l'inégalité de genre face au changement climatique. On sait que les femmes, partout dans le monde, sont les premières impactées par le changement climatique. Diana, quelle serait pour vous une politique d'action pour le climat adaptée pour rattraper cette inégalité qui touche les femmes? Et peut-être oserais-je demander, quelle serait une politique féministe d'action pour le climat? Oh, that's a
Very interesting question. Ah, alors là, vous me posez une question très intéressante. Je crois qu'on pourrait en écrire des thèses hein, pour répondre à cette question. Pour essayer de répondre en termes simples, je dirais que toutes les solutions qui visent à adresser le climat doivent être des solutions équitables, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et pour les femmes, évidemment, qui doivent être prises en considération dans toutes les décisions. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. En tout cas, on ne le voit pas souvent. Par exemple, prenons l'exemple de la lutte pour les énergies renouvelables dans le Sud, dans le Grand Sud, et en Ouganda, principalement, quand on entend les discussions, même au niveau mondial, on parle beaucoup des industries des industries dans la production, l'électricité, on dit ça va faciliter la vie de certaines personnes et on oublie très souvent l'énergie dont on a besoin pour cuisiner. Dans le Sud, que font les femmes? Eh bien, très souvent, elles font la cuisine, elles font à manger pour leur famille. Et lorsque l'on parle de solutions, les femmes ne sont pas correctement prises en considération parce que leurs besoins ne sont pas pris en compte, ne sont pas pris en considération. Donc, encore une fois, je répète ce que je disais, toute solution doit être vue par le prisme de l'égalité homme-femme et principalement les femmes, y compris les femmes locales, hein, les populations indigènes, elles doivent être autour de la table. Elles doivent être celles qui peuvent inspirer la solution. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette question d'une politique féministe du climat? Et avant que vous répondiez, je vais remercier du coup Diana et Disha qui vont nous quitter maintenant. Merci beaucoup d'être venus. Et on va accueillir dans un instant, pendant que vous parlez, Yuli, Benoît Test et Luisa Neubauer. Merci beaucoup. J'en pense. C'est évident. On est dans un monde patriarcal, donc les femmes sont toujours les premières impactées. Hein. Dans le cadre de la réforme des retraites, on l'a porté avec Attac et les Rosies que les femmes étaient donc les premières, les plus grandes perdantes de la réforme des retraites. Et sur la question climatique, évidemment, par exemple, là, ça a été évoqué, mais c'est la question de l'alimentation, etc. En gros, subvenir aux besoins de sa famille, nourrir sa famille. Avec le réchauffement climatique dans les zones désertiques, trouver de l'eau, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et c'est les femmes qui le font. C'est elles qui vont porter l'eau sur la tête pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc l'impact... À partir du moment où la société est structurellement patriarcale, nécessairement c'est l'impact climatique qui va être plus fort pour les précaires, et dans les précaires, c'est les femmes qui vont être encore plus impactées. C'est un effet entonnoir et cette question-là est vraiment problématique parce que on a tendance à ne pas vouloir, séparer les personnes impactées en fait, alors que justement si on accepte de voir à spécifier, voilà, si on accepte l'intersectionnalité, exactement. On pourrait dire, avec des tout à fait. Et c'est ça qui permet, si on part de là, et bien justement, se rendre compte de tout ce qu'il y a à mener. Merci, Yuli. On va accueillir donc nos deux invités qui se sont assis maintenant. Benoît Test, secrétaire général de la FSU, premier syndicat enseignant. La FSU engagée depuis longtemps sur ces questions de solidarité Nord-Sud. Vous faites depuis longtemps le lien avec les activistes entre le Nord et le Sud. Et puis, Luisa Neubauer, vous avez 27 ans, je crois. Vous êtes une activiste très connue en Allemagne, gréviste du climat, vous aussi. Et puis, on vous voit de plus en plus, on y reviendra d'ailleurs après, dans des actions de désobéissance civile, encore récemment contre la destruction d'un village, Lützerath, en Allemagne, pour construire une mine de charbon. Mais Benoît Test, avant de venir au parcours et à l'engagement de Luisa, sur cette question justement de ce dont on parlait tout à l'heure, est-ce que la discussion qu'on a là ce soir, finalement, une dette qui s'accélère pour les pays du Sud et l'urgence climatique qui s'accélère, rendant cette question finalement du financement de plus en plus prégnante, est-ce que vous voyez des progrès, vous, de la façon dont on en parle, où on demande tout à l'heure à Disha, en fait c'est encore de réunion en réunion, comme pour les COP, finalement on a l'impression que les choses évoluent pas trop. Comment, vous, est-ce que vous avez l'impression que des choses bougent quand même, y compris d'ailleurs dans le dialogue qu'on a là ce soir? Oui, sans doute dans la façon dont on en parle, on a pris conscience et pris acte d'un certain nombre de nécessités, de priorités de financement, notamment vous parliez des financements, les problématiques entre le Nord et le Sud, la question de l'annulation de la dette, qui d'une certaine manière aussi ont été un peu effacées ces derniers temps.
Et puis, l'urgence climatique, l'urgence environnementale nous fait prendre conscience qu'il y a un enjeu de société avec un financement notamment de services publics ou en tout cas d'une gestion collective. Parce qu'en fait, en gros, le monde aujourd'hui, ce sont un certain nombre de lobbies, un certain nombre d'intérêts privés, un certain nombre d'intérêts capitalistes qui accaparent la ressource, qui accaparent les richesses. Et cette course-poursuite entre ces plus riches qui sont en train de capter la ressource devenue rare et le reste de la société, c'est un peu ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu dans beaucoup de luttes écolo en France comme partout dans le monde. La question des méga-bassines, c'est ça qu'il y a derrière. Vous demandiez des réactions notamment à la question de la dissolution des soulèvements de la Terre. Je voulais juste rajouter que je partage tout ce qui a été dit sur ce plateau. S'il est avéré que c'est effectivement la FNSEA qui a pousser à ce que les soulèvements de la Terre soient dissous, ça veut dire quand même qu'on a un vrai problème démocratique de lobby qui pèse dans le sens du maintien de leurs intérêts privés, parce que les soulèvements de la Terre, c'est aussi l'opposition aux méga-bassines. Et donc cette question de l'accaparement des richesses au détriment d'une gestion collective, de faire du collectif, de financer du coup des solutions collectives, ça c'est une question qui est vraiment actuelle, très en prise avec ce qui se passe aujourd'hui, et qui, me semble-t-il, est posée de manière un petit peu plus claire. En tout cas, le combat, il est identifié comme celui-là. Louisa Neubauer, donc militante pour le climat en Allemagne. Vous, ce soir, comment vous réagissez justement à cette question de la dissolution des soulèvements de la Terre en France? J'imagine que certains des activistes des soulèvements de la Terre, vous les connaissez, vous voyez comment ils militent. Comment, en tant qu'Allemande, notre voisin allemand aussi, vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que d'ailleurs, ça pourrait se passer en Allemagne? Well, it's a super worrying trend that we are seeing. C'est une tendance méga préoccupante. C'est une dynamique que l'on voit non seulement en France, mais partout dans le monde. Les gens qui défendent la terre, qui défendent l'eau, qui défendent le climat et qui défendent les droits humains sont criminalisés, pénalisés. Alors que les gens qui nous mettent en danger, qu'est-ce qu'on fait? On les soutient. C'est ça. Ce qu'on assiste. Quelle hypocrisie. Prenons le rôle des pays comme la France et l'Allemagne, ils parlent des droits humains, ils parlent de tout ça, et puis ensuite ils sanctionnent, ils pénalisent ces activistes qui pourtant tiennent un message de vérité. Donc oui, l'Allemagne ce n'est pas la France, mais il ne s'agit pas de criminaliser des individus, c'est la démocratie qui est en jeu. On est en train de criminaliser des citoyens et la citoyenneté. Et il y a des études qui montrent que lorsque l'on veut s'opposer et lorsque l'on veut lutter contre la crise climatique, il faut que le pouvoir soit entre les mains de la société civile. Criminaliser la société civile, c'est extrêmement préoccupant. Ces gens-là se battent contre nous tous. Nous devons nous serrer les coudes pour nous assurer que le message sera clair. Une ligne rouge a été franchie aujourd'hui en France. Tirez-vous des mouvements de jeunes pour le climat qui ont été si importants en Europe ces dernières années, qui ont mobilisé des dizaines, des centaines de milliers de jeunes, et qui, pour certains, n'ont pas réussi à suffisamment faire bouger les sociétés. Donc, est-ce que vous tirez un bilan positif de ces mobilisations massives de jeunes pour le climat? Et question qui va avec, et qui fait lien avec ce que vous disiez auparavant, est-ce que la désobéissance civile aujourd'hui vous paraît plus efficace que simplement manifester dans la rue? Well, I think we must be very careful. À mon sens, nous devons être très prudents à qui raconte quelle histoire sur les mouvements en faveur du climat. Regardons ce qui s'est passé en Allemagne, mais partout dans le monde, au cours des 5 dernières années, c'est que le mouvement des jeunes a pu changer le discours, a pu changer la législation. En Allemagne, on a pu arriver à la Cour pour la Cour constitutionnelle et il y a eu des mesures législatives qui ont été
entreprises. Donc il faut savoir qui parle, qui vous raconte l'histoire des mouvements des jeunes. Et les gens qui ne veulent pas croire au mouvement, qui ne veulent pas de changement, sont les gens qui s'accrochent aux énergies fossiles. Et c'est ces gens-là qui racontent l'histoire de l'échec des mouvements des jeunes. Mais maintenant, nous devons raconter l'histoire telle que nous la voyons, telle que nous la vivons. Et au cours des dernières années, il a été prouvé que ces mouvements des activistes ont changé les choses. Et nous ne serions pas ici avec cette conversation s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements, tous ces soulèvements, justement, qui ont permis de changer les choses. Pour revenir à votre deuxième question, on assiste aussi au fait que les grèves pour le climat, ce n'est pas une invention qui est utilisée comme une méthode paisible de résistance. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Et il faut bien reconnaître qu'il y a plein de tactiques, mais nous devons être prudents, organisés, et nous devons jouer collectif. Et je crois que discuter, ça ne suffit pas, évidemment. Il faut contextualiser les tactiques et les stratégies. Si on dit que les protestations, ça ne marche pas, les gens vont se sentir démobilisés. Donc il ne faut pas tenir ce discours-là. Néanmoins, nous devons agir de manière collective. Qu'est-ce que vous dites, Lisa ? Oui, bah oui, parce que la question derrière, c'est la construction du rapport de force. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça qu'on cherche. Bah oui, justement, mais évidemment, il y a des inventions ces dernières années, et ça a fait du bien, parce qu'il y a eu l'irruption très très forte d'un mouvement qu'on a dit jeune. Bon, heureusement, il n'était pas que jeune, parce qu'il est, il a une histoire et il y a du monde qui est derrière. Mais évidemment, ça a amené beaucoup d'énergie, ça a bousculé. Et en bien, parce que ça a obligé... Ça a bousculé les syndicats, y compris. Y compris, alors on pouvait avoir parfois des positions, mais c'est se dire c'est le moment où enfin cette question-là va arriver sur le devant de la scène. Voilà. Et du coup, ça change l'agenda, et ça bouscule l'agenda syndical, forcément. Ou en tout cas, les structures qui ne veulent pas bousculer leur agenda... ont peut-être une responsabilité à terme sur le changement. Nous, on développe, et comme avait fait un syndicaliste de transformation sociale, on pense que... Et donc sur les tactiques. Et bien donc sur les tactiques, il faut être capable de mener. Nous, on a soutenu les grèves en France, on a soutenu les grèves avec des choses qui s'étaient un petit peu, comment dire, avec des niveaux différents. Voilà, parfois on a été agréablement surpris, parfois on s'est dit que c'était léger, mais y compris chez nous, d'avoir du mal à convaincre parfois des adhérentes et des adhérents de se dire on fait grève sur le climat mais on est capable d'y aller sur des manifestations le week-end, là. Donc on pousse. Et c'est quoi la réticence? Pourquoi ils hésitaient? Pardon, mais c'est intéressant, c'était quoi la réticence chez vos adhérents? La réticence, c'est d'avoir la difficulté à voir qui est l'interlocuteur sur lequel on a le rapport de force. On a l'habitude, la grève ça fait partie de la grammaire du syndicalisme. Voilà, on discute, on fait des pétitions, on fait plein de choses. La grève, c'est un outil, c'est plutôt un des outils vers la fin, parce que ça veut dire que les autres choses n'ont plutôt pas marché. Mais si on fait grève et qu'on perd une journée de travail et qu'on essaye de ralentir le système de production, de peser, il faut qu'on ait une cible. Voilà. Et peut-être que sur la question du climat, parfois, il y a eu des difficultés d'avoir une cible. Et du reste, peut-être pour enchaîner là-dessus... Oui. Alors d'abord, effectivement, la cible était compliquée à appréhender. Dès lors que les gens n'ont pas conscience complètement qu'il s'agit de choix politiques à remettre en cause, et donc il y a un côté, les gens nous disent, ça sert à rien de faire grève contre le climat, comme on dit pour caricaturer. Or, il y a bien des choix et des revendications du coup à porter pour que les choix soient différents. Et du coup, ça a entraîné quand même la grande capacité, je trouve, du mouvement pour l'environnement à se saisir d'objets un peu emblématiques et de luttes précises, les méga-bassines, les contournements routiers, l'artificialisation des sols, où ces dernières années, il y a énormément de monde qui se déplace. Il y a des week-ends où il y a 5 000, 10 000 personnes, et des gens, des activistes, des militants écolos, mais aussi des syndicalistes, mais aussi des militants syndicaux. Et donc sur ces luttes-là, on peut dire qu'elles fonctionnent bien, qu'elles donnent un récit finalement...
intéressant sur l'alliance entre l'écologie, le social et la nécessité de lier les deux autour d'objets vraiment précis. Et on a réactivé un peu ce qu'on disait à un certain moment, penser global, agir local. Et ça, ça se réactive beaucoup. Peut-être que les grandes mobilisations à l'occasion des COP, etc., c'est moins prégnant aujourd'hui. Mais par contre, il y a beaucoup de monde à chaque fois sur des remises en cause de grands projets inutiles, etc. Alors du coup, comment vous réagissez chez Attaque là-dessus? Parce que du coup, penser local, penser global, agir local, c'est bon. Voilà, c'est vraiment la culture d'Attaque, du mouvement qu'on appelait à un moment altermondialisme. Bon, voilà, comment du coup tout ça se renouvelle et se traduit aujourd'hui avec une urgence climatique plus importante. Est-ce que c'est la même chose finalement? Est-ce que là, la Benoîtesse dit finalement, mine de rien, on installe aussi dans la réflexion collective de nouveaux mots, on parle de nouveaux d'usages, de choses qui se créent, on politise des questions qui n'étaient pas politisées avant. Sur les jeunes, déjà, il y a un enjeu à les intégrer dans les espaces de décision, parce qu'on remarque que ce qui fait aussi qu'on peut avoir du mal à renouveler ce qu'on propose et la façon dont on construit, c'est aussi parce qu'on peut avoir du mal à intégrer les jeunes dans les espaces de décision. Et penser local, global, ben oui, c'est ce qui sous-tend tout ce que nous menons, mais effectivement il y a les grandes mobilisations qui ont un impact, qui ont en fait une utilité sociale, une utilité de pédagogique. En fait, les grandes mobilisations, c'est pour interpeller, alerter, faire passer un message. Et en même temps, le local, c'est indispensable. Si en fait on défend pas le terrain, on pourra pas en fait le porter ensuite d'ailleurs dans des grandes mobilisations. Donc c'est juste interdépendant en fait. Les luttes locales vont nourrir les grandes mobilisations, et à l'inverse, les grandes mobilisations vont nourrir les localités, se rencontrer, échanger, faire du lien. Et puis aussi, c'est symbolique, une grande mobilisation, s'il va se passer des événements pendant cette grande mobilisation, il peut y avoir des impacts, des bombes mentales et créer du lien sur le terrain ensuite. Louisa, pardon. Non, oui, c'est plusieurs questions pour Louisa, pour tout le monde. Pardon. Mais Louisa Neubauer, sur cette question des grèves climatiques, avec votre expérience à vous, comment est-ce que ce qu'on appelle une grève du climat peut instaurer un rapport de force et donc on espère obtenir quelque chose au bout et pas simplement être un mot d'ordre un peu général? Well, I think, of course, one is that what we deliberately do and what we still do until today, really, is we try to cause a social nous dilemma. Nous essayons de striking is just about that dilemma. You know, children are supposed to go to school. Mettre en évidence un dilemme. You're burning our. Qu'est-ce qui est plus important, aller à l'école ou prendre conscience de la planète et du réchauffement climatique et de la pollution et ainsi de suite? Bon, alors ce qui a émergé de tout cela. Et je suis ravi d'être ici avec vous, hein, parce que on parle avec des syndicalistes aussi. Et au cours des dernières années, on a établi des passerelles avec les syndicats en Allemagne. Vous dites que parfois il y a un conflit ou un certain malaise dans ces luttes, mais les mouvements du climat et les mouvements syndicaux, c'est une certaine convergence, parce que depuis des décennies, on nous ressasse le fait que le mouvement des climats va retirer des emplois. Alors, ce n'est pas les activistes du climat qui disent ça, c'est les gens qui ne s'intéressent pas à la justice climatique ou à la justice sociale qui disent ça. Alors, évidemment, on oppose les gens, on crée des clivages entre le social et l'environnemental, et c'est délétère. Donc, au contraire, il nous faut des passerelles, nous devons travailler ensemble, nous devons jouer collectif, et nous faut un dénominateur commun, ce qui nous rassemble. En Allemagne, par exemple, nous nous sommes rassemblés avec les chauffeurs de bus, les gens du transport en commun, parce que pour qu'il y ait une action climatique, pour changer la mobilité, pour que les gens prennent moins la voiture, il nous faut plus de transport public. Mais il faut de la concertation avec les gens qui travaillent dans le transport public. Il faut préserver ces emplois. Et c'était difficile d'y parvenir, hein, parce qu'il y avait déjà eu de la réticence. Autrement dit, il faut investir dans ces relations. Il faut travailler cela. Mais c'est ainsi que l'on en arrive à exercer plus de pouvoir. Le jeu des pouvoirs se fait là, par la concertation. Il faut faire comprendre aux gens que nous sommes tous des êtres humains. Et le fait de relier la justice climatique et la justice sociale, c'est une question de dignité. Les deux ne peuvent pas être contents de travailler dans un domaine qui est délétère au bonheur des autres ou à la planète. Et ça va
de concert, tout ça. Nous devons construire des sociétés où il y a des emplois justes. Justement, Clémence Dubois va venir s'asseoir à votre place, mais justement, avant ce changement-là, vous, cette confrontation, cette contradiction justement qu'on nous a longtemps raconté, comme dit Louisa, entre fin du monde et fin du mois, quoi, pour résumer en termes dans la discussion telle qu'elle se traduit en France aujourd'hui, comment syndicalement, comment d'un point de vue de l'action syndicale, vous faites pour tout simplement essayer de la déminer d'une certaine façon, et ça se démine pas juste avec des mots, ça se démine aussi avec des résultats et avec des faits, et on peut dire qu'aujourd'hui peut-être qu'il y a beaucoup d'évolutions dans notre pays ou dans le monde qui font pas qu'on a l'impression que c'est en train d'être déminé. Non, bien sûr, mais alors c'est une question hyper large. En réalité c'est aussi un jeu d'échelle. Ouais. Voilà, mais on va rester une heure ensemble, on peut un peu plus. C'est une question d'échelle, c'est déjà d'intégrer tout ça en fait dans notre pensée, dans notre, on va dire, notre corpus idéologique, on dirait, mais en tout cas notre façon de prendre les choses. La réalité dans ce que vous dites et dans ce qui est porté, c'est à quoi ça sert ce qu'on produit ? Quelle est l'utilité sociale ? Mm-hmm. Parce que, y compris, on parlait du Nord et du Sud, mm-hmm. c'est bien qu'on y revienne là-dessus. Aujourd'hui, énormément des productions industrielles du Sud ne sont faites que pour alimenter une surconsommation inutile mm-hmm. du Nord. Mm-hmm. Voilà. Et si on ne réfléchit pas à ce système de production et de consommation, on y perd tout. Alors, effectivement, le discours qui a été construit et le compromis fordiste qu'on paye toujours et qui concerne encore une grande partie du syndicalisme en France, c'est de dire produisons toujours plus pour pouvoir augmenter des salaires, pour pouvoir consommer plus, et puis ça sera le bonheur. Et ça sera la répartition des richesses. On augmente la taille du gâteau et comme ça, vous aurez toujours des quelques miettes en plus. Bon, faut juste qu'on se dise les choses. Le gâteau, il peut plus grossir et maintenant, on va devoir découper autrement les parts, voire ne plus donner des parts à certains et certaines qui n'en ont pas besoin. Voilà. Donc, comment on l'intègre ? Ça, c'est un discours un peu général. Maintenant, on est dans une période actuelle où nous, on se dit, mais c'est vrai, je vous dis, on sort une brochure la semaine prochaine là-dessus, comment on construit des revendications concrètes dans nos territoires, parce qu'il y a des spécificités, comment on construit des revendications concrètes dans nos syndicats, c'est-à-dire dans nos lieux de travail. Parce que il n'y a pas forcément les mêmes choses. Évidemment, au final, oui, mais au quotidien, voilà. Que syndicats, que les travailleuses et les travailleurs, parce que c'est ce que nous sommes, on est des travailleuses et des travailleurs organisés, en fassent une priorité. On n'améliorera pas les choses, on n'améliorera pas nos conditions de travail si on ne prend pas la question écologique à bras-le-corps. On ne changera pas en profondeur la société, elle ne sera pas plus juste si on ne prend pas les questions écologiques à bras-le-corps. Donc c'est ça qu'on essaye de développer aujourd'hui. C'est balbutiant, il y a des endroits où c'est un peu plus avancé que d'autres, mais en tout cas c'est une volonté très forte qu'on a pour aller vers l'avant. Merci beaucoup Simon Dutheil, je vais vous laisser repartir en coulisses et puis Clémence Dubois va nous rejoindre pour, on approche de la fin de l'émission. Benoît Tessioli, Yamamoto, peut-être comment vous réagissez à ce qui vient d'être développé là par Simon Dutheil ? En lien justement avec ce dont parlait Louisa, y compris parfois l'absence de dialogue historique entre les différentes forces du mouvement social. Et puis aujourd'hui, des choses qui commencent à se renouer un petit peu, mais difficilement. Oui, fin du monde, fin du mois, même combat. Aujourd'hui, la question émerge vraiment et ça commence à vraiment infuser dans les esprits. Et historiquement, oui, ça s'explique, Simon l'a évoqué, mais par le travail en fait. C'est-à-dire qu'on veut préserver le travail pour la richesse, etc. Et donc ça semble décorrélé de l'enjeu écologique. Or, non, aujourd'hui, je pense qu'il y a une capacité pour la société civile à comprendre que c'est une articulation totale, pleine, qu'on ne peut pas concevoir la justice sociale sans justice écologique. On ne peut pas concevoir la justice écologique sans justice sociale. C'est totalement interdépendant. Et ça commence vraiment à émerger. Mais pas chez les responsables, mais pas chez les gouvernants, et surtout au niveau du modèle de société. Macron a une feuille de route qui est clairement néolibérale, c'est une vision productiviste, donc il est complètement, on le voit, hein, ce sommet du greenwashing. Donc, c'est un sommet du greenwashing, pour vous, c'est comme ça que vous l'avez... C'est un sommet du greenwashing. On a mené une action avec ATTAC justement il y a peu de temps, mais je ne sais pas si ça va être évoqué, mais on a... Il y a 3 heures, même pas 2 heures, on a avec ATTAC Extinction Rébellion et
Alternative à Paris, il y a une action devant en fait la bourse où va se passer le sommet, où les lions étaient repeints en vert pour dénoncer le greenwashing. Voilà, avec une banderole, on a déployé une banderole. Bienvenue au sommet du greenwashing. Et oui, on le dit parce que dans ce sommet, il n'y a pas de la question de la fin du financement des énergies fossiles. Il n'y a rien sur le financement de la transition écologique. Il n'y a rien sur la taxation des énergies fossiles. Donc, à partir du moment où on veut parler de lutte contre la pauvreté et du réchauffement climatique, si on ne parle même pas du financement de la transition écologique, il y a un souci. Une nouvelle fois, on passe à côté. Et Benoîtès, en même temps, on voit bien que les choses sont compliquées. Ce n'est pas si simple de lier social et écologique. Et par exemple, on sort de ce grand mouvement des retraites où certes, les mouvements écologistes ont été présents, mais les revendications climatiques et écologiques étaient extrêmement secondaires dans les plateformes de revendication des syndicats. Est-ce que c'était un échec et est-ce que vous avez des exemples d'articulation concrète entre revendications sociales et écologiques? Alors, c'est vrai que dans le mouvement retraite, ça a été intéressant parce que d'abord, les militants écolos sont venus massivement dans les cortèges et visibles. Effectivement, on a un peu un sentiment que ça s'est arrêté au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a fait émerger la question du travail. Moi, je pense que c'est un grand moment où les écolos s'emparent de la question du travail concret et viennent dire on ne veut pas que les travailleurs soient mis dans des conditions de produire n'importe quoi, n'importe comment et de les user jusqu'à la corde et finalement la retraite ça serait qu'au moment où on est trop usé et qu'on nous l'accorderait et au contraire il faut du temps, il faut etc. Mais c'est vrai, les retraites on est d'accord, mais pourquoi on a parlé de travail? Parce que les écolos, c'est la problématique qu'on porte également, mais qu'on porte en commun, du travail, pourquoi faire? Est-ce que c'est un travail pour s'user toujours plus, pour produire n'importe quoi, n'importe comment? Ou alors, est-ce que c'est un travail d'abord épanouissant, qui crée des droits sociaux, où on n'est pas tout le temps au travail? Et du coup, ça a posé, mais c'est vrai, imparfaitement, ça c'est vrai, la question du temps de travail. On l'a posé quand même en cours de mouvement, cette question de dire la retraite, elle devrait être à 60 ans. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, on devrait pouvoir s'occuper des petits-enfants, des associations, et que sais-je encore. Quand on est retraité, on a une place dans la société, c'est pas un droit qu'on nous accorde, parce qu'encore une fois, on est mis au rebut de la société. Et donc, c'est toute une vision de la société que sont venus effectivement dire les écologistes et qu'on a travaillé en commun. Donc ça, c'est un exemple un peu concret de travail en commun autour de problématiques des conditions de la production et des conditions du travail. Nous, les syndicats, mais Simon l'avait dit, je pense qu'on a beaucoup évolué. Alors, il y a divers facteurs, les gilets jaunes, etc., les débats qu'il y a eu au moment des gilets jaunes et divers autres moments. On a beaucoup évolué sur la question du productivisme également, effectivement. On a pu à un moment avoir une vision fordiste, comme il l'a qualifié, où il s'agissait de répartir les fruits de la croissance et donc de favoriser d'abord la croissance pour après se répartir de ses fruits. Je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Alors, il est parfois plus facile pour une fédération qui est dans la fonction publique, qui a justement cette vision un peu de service public désintéressé. C'était pas la même problématique que Sophie Binet, je pense. Exactement, ouais, voilà, il y a un côté. Mais justement, la promotion du modèle de service public, avec aussi le modèle d'un travail qui serait moins dans la précarité, avec une protection sociale également, des droits sociaux étendus, ce modèle des services publics, il a aussi valeur de projet de société, en quelque sorte. Et donc, effectivement, ça fait les liens. Après, il reste évidemment des contradictions, des choses à travailler, mais je pense que vraiment on a réussi, notamment dans l'Alliance écologique et sociale, qui continue, qui est un cadre qui permet d'avoir des actions très concrètes. Il y a eu la chapelle d'Arblay, on est intervenu sur les bassines en tant qu'Alliance écologique et sociale, il y avait des cortèges dans les manifs retraites, donc il y a des liens qui sont très forts, qui se sont renforcés encore aujourd'hui, et je pense que ce mouvement-là est en train effectivement de se construire encore plus qu'avant. Et donc, on vous entend bien, c'est une question de modèle de société, mais c'est aussi une question d'avenir désirable. Oui. Et Louisa Neubauer, on avait envie de vous poser cette question. C'est que pour vous, activiste climat, femme militante engagée, comment est-ce que vous décririez ce monde désirable, un monde de la justice climatique ? Qui ne serait pas simplement une folle utopie très lointaine, mais quelque chose qui serait accessible, qui pourrait ressembler à quelque chose qu'on peut imaginer avec nos idées et nos visions d'aujourd'hui. Et avec une forme d'envie et de plaisir, quoi.
Well, I think you make a really important point. Ça, c'est très important, oui. Nous devons oublier que notre offre environnementale ne doit, il faut oublier le fait qu'elle n'est pas désirable, parce que la productivité du secteur des énergies fossiles, c'est une offre très prégnante. Les gens vous disent, ah, c'est génial, on va produire davantage, on va pouvoir consommer, et ainsi de suite. Mais nous, qu'avons-nous à proposer? Donc, ça peut sembler banal, mais à l'échelle mondiale, ça veut dire que dans un monde où il y aura de la justice climatique, nous pouvons nous regarder les yeux dans les yeux, parce que nous savons que nous exploitons les uns les autres et nous dérobons notre avenir les uns aux autres. Nous devons nous regarder dans les yeux entre générations. Il faut que les enfants aient un meilleur monde que le nôtre. On va pas, ma fille ne va pas mourir dans un avenir terrible, vous voyez. Donc il faut que l'on puisse aborder cette idée existentielle de ce qu'est la liberté. Il ne faut pas que nous soyons déchirés entre un présent qui existe et un avenir impossible. Non, il faut réconcilier les deux. Et moi, je crois que c'est tout à fait réalisable. C'est tout à fait possible. Un autre monde est possible. Et dès que l'on cesse d'y croire, eh bien là, on va périr. Mais nous devons avancer tous ensemble dans ce futur désirable qui existe. On est à la conclusion. Clémence Dubois et Yuli Yamamoto. Petite carte blanche, on a organisé cette soirée ensemble. Petite carte blanche à vous, après plus de 2 heures d'émission, pour conclure. Voilà. Sur ce que vous voulez, demain, il y a ce sommet, il y a cette dissolution des soulèvements, ou n'importe quel autre sujet. Voilà. Eh bien, déjà, je suis assez émue par ce que vient de dire Louisa, parce que c'est vrai que on a toujours tendance à se concentrer sur ce sur quoi il faut s'opposer, et on est en lutte, mais en fait on est en lutte pour faire advenir un futur possible pour tout le monde. Et c'est pour ça que à 350.org ou à TAC, ce qui est au cœur de notre action, c'est d'engager les gens, de faire en sorte que tout le monde puisse trouver une porte d'entrée pour vers l'engagement. Et moi, une phrase qui m'a fait rentrer dans le monde de l'activisme, c'était celle-ci, c'était de dire en tant qu'individu, la chose la plus importante que je puisse faire, c'est cesser d'agir à l'échelle individuelle et de rentrer dans l'action collective. Et donc déjà, je pense qu'on est nombreux aussi à se regarder les yeux dans les yeux, à se dire merci de ne pas avoir renoncé à construire la justice, de qu'elle soit écologique ou sociale. C'est parfois laborieux, ça demande de composer les uns avec les autres, que ce soit dans les syndicats, dans les organisations. Mais en réalité, ce qui en sort, c'est surtout une véritable puissance collective et de l'espoir. Et j'aime beaucoup cette phrase aussi de Rebecca Solnit qui dit l'espoir, c'est une hache comme on force dans la porte de secours. Et donc c'est pas quelque chose de passif. Et justement, ces solutions dont on parle, elles sont à construire tous ensemble. Je pense que personne ne peut prétendre avoir l'éventail parfait. En revanche, on sait qu'elles existent, on sait que beaucoup y travaillent, où qu'on soit, et pour les faire advenir, l'argent est là, il existe, et c'est pour ça qu'on s'intéresse au sommet qui a lieu notamment demain. Il faut le prendre, il faut le réclamer parce que c'est le nôtre. Donc il faut faire payer les pollueurs, il faut taxer les profits de l'industrie fossile, et pour créer des emplois durables, non délocalisables, et voilà, qui nous donne un horizon plus paisible. Et aussi, ce qu'a montré la dissolution des soulèvements de la Terre, c'est bien que on dérange. On dit l'écologie, ça doit être pour tout le monde. On parle pas juste d'écologie, là, on parle de justice de manière générale. Et la justice, ça nécessite de faire trembler les intérêts des puissants. Donc on dérange. Et la répression, elle va pas non plus cesser de s'accroître. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à construire tous ensemble et que cette conversation entre Fridays for Future, les syndicats, Attaque 350,
50-50. C'est, en cela, c'est une réussite, c'est que ça montre qu'il faut penser les mobs en convergence et avec un esprit de solidarité. Yuli Yamamoto, merci beaucoup. Clémence Bois, Yuli Yamamoto, c'est nouveau, cette discussion qu'on a lancée ce soir. Est-ce qu'on est juste... est-ce que c'est pas nouveau? Ça existe depuis longtemps. Est-ce que vous sentez que pour autant, ça prend un peu plus racine, ce genre de discussion? Ça prend plus racine parce que les gens paniquent. Hein. Là, les gouvernants nous mènent droit dans le mur. Il faut bien comprendre ce qui est en train de nous tomber dessus, en fait. Ça s'accélère. La crise climatique s'accélère à un niveau complètement démentiel. Et même les pires prévisions du GIEC, on est au-dessus. On a dépassé tout ça. En fait, on a craqué tous les crédits. Donc les gens, en fait, paniquent. Il y a vraiment, par exemple, le phénomène d'éco-anxiété qui envahit. Donc les gens veulent bien entendre et comprendre qu'il y a une articulation à prendre. Et donc, la question sociale et écologique, maintenant, elle commence vraiment à s'installer, mais il faut travailler. Mais pour rebondir sur ce que Clémence disait, là, en parlant donc des soulèvements de la terre, etc., mais il y a quand même un enjeu. Ce genre de plateau où là, on parle global, on parle international, on parle solidarité, c'est très important, tout comme, quand on a fait l'inter-orga climat et qu'on a bloqué l'Assemblée générale de Total, voilà, toutes ces mobilisations sont en fait indispensables parce qu'effectivement, il faut bien avoir conscience que là, on est dans un schéma répressif. En France, on voit comment ça bascule. Mais alors, à l'international aussi, il y a une criminalisation, une stigmatisation très forte des écologistes. Et c'est bien parce qu'on appuie là où ça fait mal. Et ce qu'il faut garder en tête, parce qu'on peut des fois être abattu et se dire, mais en fait, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on débat de tout ça? On va jamais y arriver, etc. Non, il faut bien se dire un truc, c'est que des années avant, il va y avoir des revendications écologistes qui vont sembler radicales ou impossibles à mettre en œuvre. Et puis, quelques années après, eh bien, elles sont mises en place, elles sont intégrées dans les normes publiques. Et ça, il faut le garder en tête. Ça veut dire qu'on est l'avant-garde, on doit montrer la voie, on doit montrer le chemin. C'est pénible, c'est difficile, c'est hard. Et notamment avec ce qui nous tombe, c'est angoissant. Mais il faut le faire parce que si on mène ce front-là maintenant, donc ce mouvement social et écologique de front, eh ben, on est vraiment en capacité de porter la transformation sociale et écologique. Et juste par exemple, pour finir, quel exemple de quelque chose qui paraissait inaccessible et puis qui finalement a été obtenu? Un truc, le tri des déchets, c'était n'importe quoi. Il y a très longtemps, en fait, il y avait des revendications, il fallait faire attention à bien recycler nos déchets, et puis aujourd'hui, c'est normal, et c'est même l'obsession des gens, alors que malheureusement, c'est un geste individuel qui suffit largement pas. And I also think maybe we sometimes underestimate that the changes we're working towards they're unlinear. We don't do one action and then the change is coming. Ce n'est pas linéaire, c'est pas un effort qui va mener à un changement. Non, nous devons placer nos espoirs dans un avenir qui n'existe pas encore. Prenez la France et l'Allemagne. Nous avons tendance à sous-estimer l'impact de certaines actions. Vous connaissez la lutte que nous avons menée contre les mines de charbon. Et donc le charbon, ça donne de l'espoir, alors que nous, on est sidérés par les manifestations, parce qu'il y a tant de gens dans les rues que ça nous donne espoir. Alors, au moment où on s'y attend le moins et en endroit où on s'y attend le moins, il y a des actions qui se concrétisent. Les choses ne sont pas linéaires et sont imprévisibles. Mais pourtant, il faut avancer. Excusez-moi, en 30 secondes. C'est parce que, en fait, je voudrais donner un moyen facile aux gens de nous rejoindre. C'est souvent, on pense que les pétitions, ça sert à rien. Il y a des pétitions qui sont victorieuses. Et surtout, c'est un premier moment pour nous rejoindre vers d'autres actions qui vont être impactantes. Donc, pour faire payer les pollueurs et taxer les super profits de l'industrie fossile, retrouvez-nous sur tous nos réseaux de 350.org, attaque, etc. Et on vous retrouvera après dans la rue et dans d'autres événements. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Jade de m'avoir accompagné pour cette deuxième heure. Merci cette beaucoup. Émission, elle est en accès libre, vous le savez, n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous. Et pendant cette émission avec Jade, avec Mickaël et avec tous les autres, on a pensé beaucoup, on a pensé très fort à Mortaza Behboudi, notre confrère et notre ami, et prisonnier des talibans en Afghanistan depuis le 7 janvier 2023. Au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été libéré. On pense donc fort à lui, à ses proches, et on espère sa libération prochaine. À très vite sur Mediapart. Bonne soirée. Thank you.